to go. The winter could not starve us. This soil survives the cold. And doctor, reject despair. In songs we play, heal and prepare. Faces all around me, there are no signs. The sounds they shift the boundaries, a bittersweet design. Tunnels the bird, my remedy. Embrace the earth, a noise in me. Eh bonsoir. Ouais, je suis un peu en retard, et 21h03. Oh là là, 3 minutes de retard, incroyable. C'est pas, on terminera 3 minutes après. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prêts pour la suite de Stacia Expert. Du coup, hier, on avait automatisé Art Nouveau. Techniquement, aujourd'hui, on devrait avoir... Alors, j'ai pas encore lancé le serveur. Hein. Techniquement, aujourd'hui, on devrait avoir énormément de mana, faut voir qu'on regarde. On s'était dit qu'on allait continuer à automatiser les runes de Botania. Et ensuite, faut qu'on regarde ce qu'on a à faire. Et de 5 mois, visage souriant, j'ai raté 2-3 lives, mais j'ai réussi à rattraper avant ce soir, yes. Wow! Burios, merci pour le 5e mois d'abonnement. Du coup, t'as rattrapé 2-3 lives aujourd'hui. Putain, tu dois avoir. Tu vas avoir une overdose de ML2G aujourd'hui. Hein. Je te préviens. Bonjour, @maddendeg. Merci, Paroc, pour le 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup.
Clique. Bonsoir. On se remet bien. J'ai toujours ça sur moi. J'ai fait un peu de déco aussi. Enfin, pas énormément de déco d'ailleurs. Hein. On va aller regarder ça. Hop, Botania. Ouh, c'est vrai que j'ai augmenté la sensibilité de ma souris quand j'ai joué à Resident Evil. Faut que je baisse un peu ça. Ok, on est pas mal là. Donc du coup, au niveau du mana, on n'a pas encore rempli toutes les jarres, mais on peut voir que ça commence à se remplir plutôt pas mal. Hein. Là-haut, il y en a qui sont bien remplis. En bas, c'est pareil, il y en a quelques-uns qui sont bien remplis. Et pareil, celui-ci, il n'était pas rempli la dernière fois, donc là, c'est bien rempli. Et au niveau de la déco, vous voyez, j'ai juste fait un truc comme ça. D'ailleurs, ici, il va falloir que je mette... Chose que j'ai oublié, c'est qu'ici, j'ai mis un escalier avec un mur. Là. Ça, je l'ai pas fait. Ah. Juste remplacer ça rapidos. Oula. Faut que je remonte... Voilà, la souris, elle est pas mal, là. Blackstone. On prend ça, on fait clac, et voilà, c'est caché. Alors, c'est pas non plus super sexy, mais... Voilà, on voit plus les câbles, quoi. D'accord? Ça reste comme ça, c'est plutôt propre. Et, bah, comme je disais, ceux qui n'ont pas vu la rediff d'hier, on a automatisé Art Nouveau. C'est-à-dire que là, au milieu d'Art Nouveau, enfin, au milieu des managers, ici, là, nous avons crafté ce qui s'appelle sur le page, non c'est ici, je le vois pas, voilà, le volcanique accumulateur. Et quand vous posez le volcanique accumulateur sur une source de lave, ça va générer du mana dans les jars qui sont adjacents à ce volcanique accumulateur. Et l'avantage c'est que plus on colle de mana jar, plus en fin de compte le stockage va s'éteindre. C'est à dire que si vous mettez un mana jar à côté du volcanique accumulateur, il va mettre du mana dedans. Mais si vous mettez une autre jarre à côté de cette jarre là, il va mettre du mana dans cette jarre là également. Et bonsoir monsieur Project. Petit mot pour monsieur Project, je n'ai rien contre vous, rassurez-vous. Si j'avais une dent contre vous, vous aurez été ban de mon chat depuis très longtemps. Bonsoir, donc, rassurez-vous, je commence y a pas enfin de problème. Ragna mode 5, demain je suis tes conseils, merci à toi. Merci pour les 100 bits Piu Piu. Bon courage pour Ragna mode 5, du coup amuse-toi bien. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un message que j'envoie à tout le monde sur le chat. Hein. Si j'ai vraiment quelque chose contre l'un d'entre vous, c'est un ban. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête dans la vie. Donc s'il y a quelqu'un qui, on va le dire franchement, me fait chier, ça dégage. Comme ça, je me fais plus chier avec cette personne-là. Et si j'aime bien taquiner, c'est voilà, qui aime bien, châtie bien. Après, Project, je te connais pas, mais c'est vrai que il y a des moments t'es un peu chiant. Mais que voilà. Pas se mentir. Mais c'est un train de la IBM, elle dégage. Mais sinon, en règle générale, t'es sympa, donc y a pas de problème, quoi. Et merci Alexis pour les 100 bits. Merci également Sirtin pour le 13e mois d'abonnement. Du coup, vous avez lancé un train de la hype. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes capable d'attirer le level 5 du train de la hype ou pas ce soir? Vous l'avez fait hier, donc s'il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas grave. Du coup, réfléchissons. Oui, continuons de farmer, enfin d'auto-crafter les runes of mana. En fin de compte, il va falloir qu'on continue à regarder exactement ce qu'il faut qu'on farme. Par exemple, vous voyez le tree fertilizer, il faut qu'on lui fasse un craft, par exemple. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il veut du corail ici. Oh, c'est terrible, il veut du corail. Oh, c'est de la merde ce craft. Enfin bref, il va falloir qu'on lui apprenne tout ça, quoi. Merci beaucoup, Ophenia, pour les 5 subs. Merci à toi, c'est vraiment très gentil. Oh là là, Torion qui balance 2000 bits, tout va bien. Ah du coup, GG pour être devenu le boss. Avec beaucoup de points de vie, du coup. Donc, Ophenia, merci pour avoir offert un sub à Link Layton. Archéo Boulanger, Diablo 21200, Gokanmo et Parsigmar. Bienvenue à vous 5 et merci Ophenia. Merci à toi. Et Ombre Turtle qui refait le fou. Ombre Turtle qui a offert 10 subs et je vois également que Niazagi a offert 5 subs. Je suis le boss pour mon nouveau badge de bits. Plus petit que 3, plus petit que 3, plus petit que 3, plus petit que 3, plus petit que 3. Merci Torion encore une fois et GG pour ton nouveau badge. Et du coup Ombre Turtle a offert 10 subs, donc merci encore une fois Ombre Turtle. Et Ombre Turtle a offert un sub à Axokitu, Flash Red Gun, Kornhav. Pucan au Québec, Joke, Rage ou Rage Calife peut-être, ou Rage Calife, Gabriel, Goldarius, à Doulouis et
Enzo. Enzo, ah bah oui, Enzo. Sympa l'écriture. Merci beaucoup, Ombre Turtle. Merci à toi pour les 10 subs. Nous avons également Nia Zagi qui a offert 5 subs. Donc Nia Zagi, merci beaucoup. Et Nia Zagi a offert un sub à Alban, Garfemas, Gabi3DK59, Cowen et Mimish49. Bienvenue à vous 5. Et merci à toi, Nia Zagi. Merci également Piu Piu pour les 100 bits. Le message va être lu directement par le bot quand il arrivera. Il va arriver ? Oui, non, il va arriver après. En tout cas, encore une fois, bon courage Piu Piu pour Agnomod 5. Si t'es sur mon Discord, n'hésite pas, si t'as la moindre question sur Agnomod 5, le Discord est fait pour ça, tu peux poser toutes les questions que tu veux, la communauté est là pour t'écouter et pour répondre. Si moi je peux répondre avant, bah j'y réponds forcément avant. En ce moment, je suis pas trop collé sur le Discord d'ailleurs, mais voilà, n'hésite pas. Merci également Buri Rose pour les 100 bits, chouchou. Il y a un emote only qui est tombé par Diablomeux, merci Diablomeux. Du coup, pendant les 2 minutes, hein, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, quand on est en emote only, pendant 2 minutes, vous pouvez spammer toutes les emotes que vous avez. Le mieux, c'est quand même de spammer des emotes que vous avez sur d'autres chaînes Twitch. Ça me permet de voir de nouvelles emotes. Si vous spammez des emotes qui existent déjà sur Twitch, bah, je les connais. Donc, profitez-en et balancez des emotes que vous avez eues sur d'autres chaînes Twitch, ça peut être fun. J'ai relancé ta série Ragna Mode 5, je passe mes journées à regarder tellement que tu donnes là. Hype cœur rouge chouchou. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Chouchou. Chouchou. Du coup, Torion derrière qui rebalance 10 subs. Ah ouais, d'accord, je viens de voir au-dessus, level 5, 144%, très bien. Putain, les gars, vous gérez. Hein. Vous gérez. Merci en tout cas pour le level 5 de la, du train de la hype. Du coup, Torion, qui a offert 10 subs, encore une fois, merci. Et il a offert un sub à Yeperlo, Actim, Legend, Svet, Purgin, Le Pingouin Fou, Larna, 79-98, Toxic Rebirth, Big Ben, Avord et Natsu. Bienvenue à Vulis et Torion. Une fois encore, merci à toi. Patron des randoms, merci pour le 6e mois d'abonnement. Wer, bonsoir. J'espère qu'elle va bien le dire d'ailleurs. Merci en tout cas, patron des randoms. On descend. Oh là, il y a tellement d'émotes que je connais pas. Ça, c'est stylé. Tu vois, quand je vois un emote only avec plein d'émotes que je connais pas, c'est kiffant. Bon, évidemment, les émotes de Miss Eleni, on va peut-être éviter. Hein, parce que bon, Miss Eleni reste quand même un streamer médiocre qui joue à Guitar Hero. Voilà, un jeu dépassé. Non, c'est une blague, évidemment. Si vous voulez le souvenir, d'ailleurs, il est en train de faire un sub-bâton. Et du coup, le sub-bâton pour lui, c'est plus il a de subs, plus il a de dons, plus il a de bits, plus il allonge le temps de son stream. Plutôt sympa quand même comme concept. Du coup, bah merci à vous pour avoir... Ah oui, Killer Strike également pour les 100 bits. Merci à toi, Killer Strike. Merci beaucoup. Verbonsvar. Incroyable. Ah, du coup, il n'y a plus d'émote only, c'est fini. Alors, on va... Ouh, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ce bon bouton, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va continuer à autocrafter les runes. Donc, on va retourner sur base. On va se mettre là. J'ai l'impression que j'ai encore des... Non, c'est bon, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On avait fait la rune of Winter. De toute façon, toutes les runes qu'on a autocraftées, on les a retirées de la liste. Hein. Et même si ça va nous servir pas à grand-chose d'automatiser toutes les runes, on va toutes les automatiser comme ça. Si de... Mon Dieu, Claudion. Ok. Ok. Claudion, merci beaucoup pour les 10 000 bits. Merci à toi. Incroyable. 10 000 quoi. In extremis pour le train de la hype. Bordel. Ça fait beaucoup de bits. C'est passé dans le train de justesse, exactement. Merci beaucoup Claudion, c'est vraiment gentil. C'est vraiment très 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 gentil. Nom de Dieu. Du coup, tu deviens le boss avec 8400 points de bits. Oui, 8400 points bits finalement. Donc merci à toi. Fou. Du coup, c'est fini le bazar. Comment ça, c'est fini le bazar?
Go augmenter la difficulté, train de la hype. Bah, en fait, Alexis, c'est une question économique. Mon train de la hype avant était en mode difficile. Du coup, on avait de la difficulté à envoyer ce train de la hype. Et j'ai réduit cette difficulté pour qu'elle soit un peu moins difficile, forcément, vu que la version en dessous de difficile, c'est moins difficile. Jusque-là, vous me suivez. Car et tu du coup, mérites le boss du modisme et les visages avec chapeau merci de cowboy. Merci Piu Piu pour les 1000 bits, c'est très gentil et merci pour ton message. Du coup, j'explique. Vu que j'ai mis mon train de hype un peu moins difficile que le mode difficile, on a plus souvent la chance d'envoyer un train de la hype. Et du coup, paf, vu que le train de la hype se lance, et bah vous êtes super chaud et vous êtes des malades à balancer le level 5. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah, je peux continuer à mâcher du caviar tous les mois. Donc merci à vous. J'aime pas le caviar, donc c'est bon. Donc oui, donc ce que je disais par rapport aux runes de Botania, on va continuer à les automatiser, même si j'ai pas forcément besoin de les avoir. J'aimerais les avoir en autocraft, comme ça si demain je vois un craft, peut-être une autre mise à jour du modpack. J'ai pas regardé s'il y avait des nouvelles mises à jour d'ailleurs depuis, mais peut-être qu'une mise à jour du modpack va nous demander en fin de compte d'utiliser des runes. À ce moment-là, je les aurai automatisées, donc on n'aura pas de problème. Sauf si évidemment le créateur du modpack décide de faire un petit peu chier et de changer les crafts des runes, mais je pense pas. Donc on va continuer à faire les runes au niveau des saisons. Donc il nous reste la rune of Spring, il nous reste la rune of Autumn et la rune of Summer à faire puisqu'on a fait la rune of Winter. Juste pour la science, j'ai mesuré la vitesse de production de la vache en bocal. C'est 2 millibuckets par tick, soit 25 secondes pour faire un saut, soit 1 minute 15 pour un gâteau. Ça va en vrai. Et du coup, co-essence, on en a 1183. 1183 divisé par 4, ça nous donne l'équivalent de 295,75 buckets de lait sur un peu moins de 24 heures. Donc du coup, AHL, je te laisse avec ta calculatrice et tes calculs pour me dire si c'est mieux de faire la co-inojar ou de faire la graine. Mais je pense qu'à mon avis, la graine est moins efficace que la co-inojar. Honnêtement. Puisqu'en 1 minute 20... en 1 minute 15, pardon, on fait un gâteau, c'est-à-dire 3 buckets. Je pense pas qu'en 1 minute 15, on récupère 12 essences, en fait. Je pense pas. Mais vu que je suis sur serveur, pardon, moi, j'ai pas trop de soucis. Du coup, la rune of Summer. Alors, la rune of Summer va nous demander la rune of Earth. Bah, tiens, je vais juste cliquer ici. Oh la vache, regardez-moi ce craft dégueulasse. Il veut des blocs of rubber de thermal. Le bloc of rubber, c'est quoi? C'est des rubber. Parce qu'il faut 9 rubber pour faire un bloc. Et le rubber, c'est un seau d'eau avec des lianes au-dessus. Ou alors, il y a le rubber, enfin, il y a le latex en fluide. Je sais pas si on peut le farmer, lui. 50 oh, c'est pas terrible, en vrai. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Oh, quoique. L'arboreal extractor. L'arboreal extractor, il extrait du latex sur un jungle log. Je pense que c'est uniquement si l'arbre a poussé naturellement. C'est-à-dire si je pose un log devant, ça marche pas. C'est pas comme Industrial Foregoing. Il faut tester parce qu'il me semble que sur les versions 1.12, justement, l'arboreal extractor fonctionnait uniquement sur les arbres qui avaient poussé naturellement. Ou avec de la bonne mille. Plutôt qu'un log qui était posé dessus. Donc on peut peut-être générer notre latex naturellement. Et si on génère notre latex naturellement, on peut en faire des buckets qui peuvent se transformer en 3 rubber. Ça, c'est intéressant, en fait, par contre, ça pour avoir le rubber. Ça peut peut-être être bien de faire ça. Merci, Joffer Crate. Ou Joffer Cra YouTube. Je pense que c'est Crate. Merci à toi pour ton abonnement Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Ce Metaslash, ça fait 300 ans que je suis pas venu. Qu'est-ce que tu fais? 300 ans que t'es pas venu, Metaslash, alors que je t'ai vu hier. Je crois que tu te fous un peu de moi. Hein. Tu sais, Metaslash, je regarde le chat. Hein. Le chat. Oui, le chat. Je regarde le chat. Je le lis. Pas sur un stream Minecraft. Ah, j'avoue, je sais pas. Mais je t'ai vu. Donc, ça fait pas 300 ans. Et en vrai, en 300 ans, on a le temps de tous se mourir. Hein. Il y a une limite de distance ou de nombre de jars pour... Ah, à nouveau, absolument, LCD, pardon, Steph.
Il me semble que c'est 4 maximum. Tu peux mettre 4 jarres maximum ou alors 6. Je sais plus, je crois que c'est 6 de distance. Il faut refaire les tests. Mais il me semble que tu peux pas aller au-delà de 5 jarres. 5 jarres, c'est le max. If she can read and speak English. Although, plus petit que 3. I just want to see if she can read and speak English. Although, plus petit que 3. Merci à toi, Claes Kalak, pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et du coup, non, elle a un peu de mal. Un peu. Du coup, on disait, on va essayer de faire l'Arboreal Extractor. Là, on n'a pas le choix de partir sur une autre machine. Parce que si on veut faire la Rune of Summer, il nous faut nos blocs de rubber. Et il faut qu'on ait la possibilité d'en faire assez rapidement des blocs de rubber. Donc, l'Arboreal Extractor, apparemment, n'est pas si cher que ça. Ah, oh, quoique, le Redstone Cerveau, il est un peu chiant à faire. Hein. Je crois que j'ai encore des soucis. Oh, ça devrait être bon comme ça. Au niveau de nos crafts sur les metal press, il faudrait qu'on en ajoute une nouvelle, un nouveau metal press pour pouvoir crafter les rods. Parce que là actuellement on n'a pas de metal press pour faire les rods et ça me dérange. J'aimerais bien en avoir une. Ça va peut-être faire un petit peu bizarre, mais peut-être qu'on va le mettre directement sur cette ligne là, c'est-à-dire au niveau du mur ici. C'est dommage de le poser là parce que si on le pose ailleurs, en fin de compte, on pourrait. Mais si on le pose ailleurs, le souci qu'on va avoir... Ou alors, on peut peut-être les changer de place et les mettre là. Vu qu'on en aura 4 posés, on met un cran au milieu de vide et on met les deux sur les côtés. Parce qu'après, il va nous rester de la place ici pour mettre, par exemple, l'Arc Furnace. On a d'autres machines de thermal qu'on va devoir poser, notamment... pas de thermal, pardon, immersive. Sur immersive, on a une machine qu'il va falloir qu'on pose, c'est... Il est où ? Je crois qu'il n'est pas là. Mais si on regarde le craft de celui-là, voilà, l'Automated Engineer Workbench. Il va falloir qu'on en pose quelques-uns de ceux-là. Parce que eux vont nous permettre d'auto-crafter. Alors celui-là, je pense qu'on va pas se prendre la tête à le faire parce qu'on peut le faire directement comme ça. Certes, ça consomme plus de style, mais du style maintenant avec la graine, on en a plein, donc ça posera pas de problème. Mais ça, on est obligé de le faire dans l'Engineer's Workbench. Donc, à mon avis, on fera un automated Engineer's Workbench pour qu'on puisse l'avoir automatiquement celui-là. Également, même histoire pour les vacuum tubes. Et je crois que c'est les seuls items qu'on a besoin. Donc, il va falloir qu'on en pose 2 de ceux-là. Ouais, il va falloir qu'on en pose 2. Et ça fait du 3 par 3, je crois. Hein. Donc, on pourrait les poser là et là. Donc ouais, les metal press, je vais peut-être les déplacer. Histoire de les poser là, là, contre ce mur-là. Comme ça, on en a bien 4 et on pourra faire la dernière rod. Et automatiser ça. Donc au niveau d'immersive, est-ce que c'est posé quelque part? Ouais, c'est posé là. Faut qu'on enlève celui-là. Ouais, il est peut-être là, tu vois. Ouais, crafting component. Non, c'est pas celui-là, il me faut le metal press. Il est là. Press mold. Donc style. On va prendre ça. Cutter. On veut le rod. Voilà. Et puis en plus ça nous fait une quête. Eh. Ici. Ah, il voulait les 4. Et c'est quoi qui nous donne? Chocolate roll. Oh, ça donne faim. J'ai envie de manger du sucré. Je donnerais tout pour manger un fraisier là. Ah, les bonnes fraises bien fraîches là. Bref. Bonsoir Célia. J'espère que ça va mieux par rapport à hier. Que dans la tête ça. Ça va mieux. Du pain perdu fait maison, ça c'est bon ça. Un bon pain perdu, bien trempé dans les œufs, ensuite. Dans la poêle avec du sucre. Oh là là. Mais bon. Vu que j'essaye de faire attention à ce que je mange, je vous avouerai que du sucre, j'en mange pas énormément. Le seul sucre que je mange, c'est avec les gâteaux. Je prends des gâteaux. Comment ils s'appellent? Gerblé.
Merci monsieur au fond de la pièce de chez moi. Il y a quelqu'un qui vit chez moi en ce moment. C'est un homme qui vit chez moi. donc c'est des gâteaux gerblés que j'ai. Emel, il dit bonjour aux dames, mais pas à moi, je boude. Écoutez, Aaron, vous êtes un homme, je préfère les femmes. Mais bonjour à vous quand même, Aaron. Bonjour à vous, un plaisir de vous retrouver ici. Ah bah c'est encore pire qu'hier, ah merde. Je vais pas te demander les détails, Celia, mais bon, si t'as besoin de discuter... Bon, je pense qu'on peut discuter dans le chat, quoi. Salut Blockbacker, ça va et toi? Donc oui, c'est des gâteaux gerblés que je mange. Donc des gâteaux allégés en sucre, histoire de manger moins de sucre possible. La seule chose où je mange... ce que je mange le plus, on va dire, en ce moment, c'est plus des protéines. Étant donné que je fais du sport, j'essaie de prendre de la masse musculaire. Et du coup, les protéines, ça va me faire brûler les graisses aussi, donc bon. T'as pas assez de ce qu'il faut pour être une dame. Effectivement, si t'as pas de doudoune, c'est compliqué. Bon, après, il y a certaines femmes qui n'ont pas de doudoune. Elles sont très belles aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et sans sucre. Jamais. Pour être franc, bon, de base, le coca, j'en bois le zéro parce que mon cerveau me dit il y a du sucre dedans, sauf qu'il n'y en a pas. N'allez pas me dire ce que j'ai pas dit, je sais que le Coca Zéro c'est pas bon, hein. Mais mon cerveau me dit il y a du sucre donc c'est bon. Parce que j'adore le... De base je suis quelqu'un qui bouffait normalement sucré donc bon j'essaie de faire gaffe. Mais là ce soir, bon j'ai pris quelque chose un petit peu plus corsé quoi, que le Coca. J'ai doudou de manteau, gilet... Mais pas ces doudounes-là. Ah. Tiens, pour se foutre un peu le seum, je viens de finir la salade de fruits avec plein de fraises. En vrai, mais Tasha, c'est bon ça. Du tabasco. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris du tabasco. Vous savez quoi? Faut que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Ça, j'en ai plus besoin hein, de la table, normalement. Vu qu'on va pouvoir faire des... Les automated work... engineer workbench plus tard. Ranger ça. Et du coup, il me faut un autre metal press. Hein. Donc, si je tape immersive, il va nous falloir deux steel scaffolding, deux conveyor belt, un redstone engineer block, un heavy et un piston. Plus corsé, c'est-à-dire, j'ai rien sur mon bureau. Mais disons que je vais sûrement faire quelques pauses pour faire pipi. Hein? Mais là, j'aurais pas dû changer la sensibilité de ma souris quand j'ai joué à Resident Evil parce que je l'ai perdu là pour Minecraft. Ouais, ça devrait le faire. Hop, hop. Ouais, c'est le piston qu'il y a là. Ok. Donc on va dégager ça. Et on va le reposer là-bas. Il va me falloir un hammer. Et du coup, comme je disais, on va réinstaller nos metal press ici. On va installer les 4. Le coin là-bas, ça va nous permettre d'avoir une autre grosse machine. Après, si tu veux de la compagnie, j'ai un nain que tu peux installer chez toi si tu as envie. Il parle pas, il mange pas, juste il tient de la place. Oui, mais moi j'ai besoin de chaleur humaine, Aaron. J'ai pas besoin d'un nain absolument froid comme un glaçon qui parle pas. J'ai besoin d'avoir de la compagnie pour parler. Bon, c'est surtout ça. Hein. Le plus dur, c'est quand même de rester tout seul, hein, en vrai. Et courage à ceux d'ailleurs qui aujourd'hui sont toujours tout seuls, quoi. C'est un peu compliqué. À cause du Covid, tout ça. Ok. On va prendre ça, on va le mettre là-bas. Ok. Et du coup, ce metal press, on va le prendre. Et on va l'installer à côté.
Maintenant, c'est dans les mines. Ça boit sa mine, ça boit sa forge, ça boit. Et ça chante aussi, un nain. Hey. Eh, pas oublier ça. Hein. Excellent chanteur. Clac. On balance ça là-dedans avec les speed upgrades. Et du coup, il faut que j'installe la presse. Celui-là. Donc ça, c'est pour les gears. Il faut d'abord que je l'active. Gear. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais d'un imposteur ? Je veux bien un poster de nain, mais pas un imposteur, si tu veux. Mais quitte à prendre un poster de nain, je veux un nain roux avec une belle barbe. Vous savez qu'à cause de la connerie, j'ai envie de regarder le Seigneur des Anneaux, là. À force de parler de nains, là. Elle ne va plus, hein. On va mettre ça là-bas. Farfadé. Ça me fait penser à Earth Struggle. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Le catcheur nain qu'on avait à la WWE. Il était marrant celui-là. Il s'appelait The Little Bastard, le petit bâtard qui s'appelait. du coup, crafter, il m'en faut un. Let's go pour faire nos rods. Oh là! Ah bah oui, vu qu'on a débranché les gears. Ok, on le fera après le crafter, c'est pas grave. On va le mettre là. Et du coup, on va redéplacer tout ce qu'on avait au niveau de Refined Storage. Donc là, ça va qu'on avait mis la couleur au niveau du Network Receiver. Nice. Donc on va pouvoir très facilement le changer. Regarde le Hobbit qui a plus de nains. Mais c'est pas les mêmes nains. Les Hobbits sont peut-être petits. Mais pour moi, un nain, un vrai nain, c'est un nain qui est petit. Parce qu'un nain, c'est petit. Costaud avec de la bonne barbe. Ça, c'est un nain. Un vrai. Genre, les Hobbits, c'est quoi? C'est des enfants. C'est bon. Les enfants, j'en ai suffisamment dans le chat. Hein. Oh, 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 ce que je viens de pas te dire. Oh, oh. Pardon. Excusez-moi. Ok, l'énergie, on est... Ouais, c'est bon, il l'envoie là et ensuite il va l'envoyer là. Ouais, c'est bon. On n'est pas chez Hypierre. Ah, c'est vrai que chez Hypierre, il y a plus d'enfants. Mais bon, des enfants qui ont plus de 18 ans. Hein. Parce que de base, la chaîne d'Hypierre, elle est moins de 18. Hein. Il me faut un importeur. On faut un autre du coup. Putain, c'est vraiment bizarre, la sensibilité de ma souris elle est pas bonne. Hein. Là ça devrait être bon là. Team plus de 30 ans mais jolie team. Joli tir. Et je fais partie de la team plus 30 aussi. Hein. Câble, on prend les câbles. Arrête d'envoyer des E partout ici. On va... Du coup, lui, maintenant qu'on a du câble, on peut peut-être le poser là, en fait. Le poser ici et tirer du câble là-bas, parce qu'on va devoir automatiser d'autres machines d'immersive, en vrai. Hein. Donc, je pense qu'on va le laisser là. Et du coup, sur le Redstone Transmitter, on va récupérer celui-là. Et on va le remettre au niveau de l'immersive. Tac. Base. Et on le met là. Ok, donc immersive, on devrait être bon. Ouais. On va cliquer là. Tac, 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 tac. Et là, on met nos importeurs. Il va nous falloir du speed upgrade aussi. Hein. Oh, j'en ai plein, tout va bien.
Nice. Oh, descend, remonte. Ouais, ok. Et là, on va pouvoir monter. Et il va falloir qu'on grimpe les câbles ici. Moyen d'âge de la communauté, qui a envoyé ce lien? La vache, il y a 50% de gens qui ont moins de 25 ans. Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour être là. Vous êtes en train de regarder un trentenaire jouer à Minecraft. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Incroyable. Vous n'avez pas d'autre chose à faire? Non, au niveau du câble, on va le faire passer là. Absolument rien. Bon, j'avoue, j'ai rien d'autre à faire non plus, c'est pour ça que je stream. Hein. J'aurais d'autres choses à faire, je streamerai pas. Alors, crafter. Je crois que j'ai pas mis mes speeds partout. Si, ils sont là, mes speeds. Ok. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir balancer mon crafter classique. Et là, mes machines vont fonctionner. Oh, regardez ça, c'est beau. Merci, Real Lucifer. 69 140 pour ton abonnement Prime. Bienvenue à toi. Le vrai Lucifer, incroyable. Pourquoi 15 plus, il faut avoir plus de 18. C'est vrai. Qui a fait ce sondage? Quel est le modérateur qui a fait ce sondage? Je veux des noms. Est-ce qu'il y en a moins de 15? Alors, Soltix, si tu as moins de 15... T'es pas censé être là. Bon, on va rien dire. Parce qu'on est sur un stream plus 18, ça veut dire qu'on peut dire des gros mots. Que normalement, à ton âge, bon, on va pas se faire de dessin, normalement. Aujourd'hui, en tout cas, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, un adolescent de moins de 15 ans connaît plus de gros mots que moi, qui en ai plus de 30. C'est sûr et certain. Il en connaît beaucoup plus que moi. Mais... on peut dire des gros mots qui normalement ne sont pas censés être là pour les enfants. Alors le crafter, on le pose. On va lui mettre du speed upgrade. Et là on va pouvoir faire nos... comment ça s'appelle, nos patterns pour pouvoir faire nos rods. Et justement les rods, on va pouvoir faire nos rods d'iron. Donc là, avant les rods d'iron, il va falloir que j'enlève le craft qu'il y a dans les autocrafts, parce que là, aujourd'hui, ça me demande deux iron ingots plus une plaque pour faire une rod. Maintenant, il nous faut un iron ingot pour faire deux rods. Et ça, c'est bien. Donc la rod, elle devrait être par là. Ouais, elle est là, on va la dégager. Paf, shift le clic droit pour retirer le craft et on le repose là. T'inquiète, Velvet, y'a pas de soucis, hein. J'ai 17 ans, mon cousin de 9 ans en connaît plus que moi. Ouais, bah oui, bah en même temps, la vie va vite, hein. Je suis sûr que ça va en choquer quelques-uns qui sont jeunes aujourd'hui. Mais mon premier téléphone portable, le premier que j'ai eu, et celui que j'ai gardé pendant un moment, je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Ou 16 ans, je sais plus. Et je l'ai eu qu'à cet âge-là, mon téléphone portable. Hein. Et encore, à l'époque, c'était un forfait... que mes parents payaient seulement quand ils voulaient. C'était pas un forfait tous les mois, c'était une carte à recharge. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, t'as un gamin de CP qui a déjà son téléphone portable avec 100 gigas d'internet et qui peut regarder son Cocomelon là. Incroyable. La vie va trop vite. Avec internet, tout va trop vite. Ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Le fait d'aller trop vite sur certaines, sur certaines connaissances, notamment internet. Hein. Parce qu'avec internet, on peut vraiment être connecté partout dans le monde, avoir toutes les infos qu'on veut de tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est cool. À l'époque de nos parents, donc je parle pour les personnes qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire la trentaine, c'était un peu plus compliqué d'avoir des infos un peu partout dans le monde. Fallait avoir les journaux, etc. Oh la vache!
Il y a 50% de ma communauté qui ont moins de 25 ans, quoi. Bon, va falloir que je change ça. Va falloir être un petit peu plus sérieux et un petit peu plus, comme on dit, boomer. Pour que les jeunes s'en aillent et qu'on garde que les vieux ici. Non, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous restez si vous avez envie. Faut que je fasse les rods d'aluminium aussi pour les autres crafts. Et ça également. Ouais, non, ça c'est pas rentable ça. Ok, on est bon. Au niveau des rods, je crois que j'en avais fait d'autres. J'avais pas fait des rods d'aluminium ? Ah non, j'en avais pas fait, ok. Attends quelques années, on aura 25 en plus. Oui. Moins 100 viewers. Je sais pas. Ça a parlé aux vieux, j'ai un forfait 100 SMS et 2 heures d'appel chez Energy Mobile. Putain, je me souviens à l'époque, et c'est là où on était obligé d'écrire vraiment en SMS, c'est parce qu'à une époque, t'étais payé au nombre de lettres que tu écrivais pour envoyer un message. C'était terrible ça, hein. Passe du Jean Ferrat et autres, de la variété française. Là, tu gardes les vieux. Je suis pas du genre à mettre de la variété française. Le problème, c'est que moi, au niveau musical, je suis assez renfermé dans ma bulle. J'écoute de tout, ça me dérange pas d'écouter de tout. Mais je suis pas la personne qui ira écouter de tout par moi-même. S'il y a un pote qui va me faire écouter une musique que j'écoute pas forcément, ou un style que j'écoute pas forcément, je vais écouter. Mais en dehors de ça, quand c'est moi qui choisis ma musique, je mets du métal à fond, mais genre à fond. C'est genre je mets mes deux bras sur le bureau comme ça, je les pose sur le bureau et je mets le son tellement fort sur mes enceintes que mes bras tremblent en fait. Et là je suis bien, là je suis bien. Mais en dehors de ça, non, j'écoute pas forcément, enfin j'écoute de tout comme dit, mais uniquement quand on me propose la musique. Salut, c'est Goldoak, comme d'hab. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Terraria. Oh yeah. Ah, Goldoak. Tellement un bon gars, celui-là. Revenons sur notre Block of Rubber. Oui, il fallait qu'on fasse l'Arboreal Extractor. Il faut qu'on l'essaye, celui-là. Donc, si on fait Redstone Cerveau, on va faire Ctrl-Shift. Clic. Donc là il va crafter nos rods. Si on regarde les rods de fer, on va voir qu'ils vont augmenter. Voilà, j'en ai déjà 4, donc tout va bien. Et là on peut faire notre redstone cerveau. Et on va maintenant lui demander exactement la même chose. Ici il nous manque l'iron gear. Donc vu que c'est en bleu, on va faire CTRL SHIFT clic. Donc il va faire notre iron gear. Ouais, il y en a 0, là il y en a une. Arbor extractor. Ok. Donc maintenant lui, il n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner. Hein. Est-ce que si je te pose un jungle log, tu marches, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un arbre qui est poussé naturellement? Ah, il te faut un fuel là. Ah, je savais pas qu'il fallait un fuel là-dedans, fais voir. Ah, attends. Ah non! Attends. Je mets ça là-dedans? Non, attends, qu'est-ce qui se passe? Il fonctionne pas, donc si ça se trouve c'est peut-être vraiment un arbre qu'il faut que je fasse pousser naturellement. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur HL? Attendez, je remonte. Je supporte pas le silence, mais j'aime pas me flinguer les tympans pour autant. Ah oui, non mais HL, je mets pas le son assez fort pour me péter les tympans, clairement. Vu que j'ai des enceintes qui sont assez puissantes, le son est fort. Mais c'était pas ça, bah re-raconte ton histoire alors, parce que je l'ai pas suivi. Bah oui, du coup je mets le son assez fort, juste pour faire trembler en fin de compte le bureau, pour avoir en fin de compte les sensations de la musique. Parce qu'autant tu peux écouter de la musique, y a pas de problème. Là la musique qu'on entend en live, elle est bien. Enfin, c'est celle qu'on entend d'habitude, mais elle est bien. Quand on ressent les vibrations de la musique, avec les basses par exemple, tu la vis
À l'intérieur de toi, la musique, et ça te fait du bien. Quand t'en as besoin, la musique, c'est tellement magique, quoi. Je disais que c'est bon, j'ai installé un setup avec un autocliqueur qui clique droit une time bottle sur un Volcanic accumulateur avec 13 par 13 manager autour. On a envie de savoir la portée. D'accord. Ah oui. Bah, il me semble que c'est 13 par 13, je crois que c'est le max. Hein. Parce que je crois que c'est 6 maximum. Bonne mille. Je veux pas des eaux, je veux de la bonne mille. Voilà. Alors du coup, je vais tester Sunset. Faut que j'attende. Faut qu'on dorme d'abord. Voilà. Oh, les cabines téléphoniques, c'est vieux ça. Je me souviens qu'on faisait des canulars hein, à l'époque avec ça. Respectez-moi s'il vous plaît. Merci. Bon, les informations. Use fertilizer to boost production. Put down the axe. Ah, ça marche, ça y est. Ok, donc il me produit mon latex. Mais du coup, si je prends ma hache, je casse tout. Et que je remets un jungle log. Ça n'a pas l'air de marcher parce que je vois qu'au-dessus, c'est noir là. Si je tourne un jungle log là, que je le fais pousser. Ok, ça c'est un peu moche. Hein. Ok, au-dessus, on voit que ça change de couleur. C'est plus noir sur l'arboreal extractor. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit un arbre qui est poussé naturellement pour que l'arboreal extracteur extrait le latex de cet arbre-là. Et donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un setup, donc probablement à l'extérieur, qui va farmer le latex. On va le récupérer via via un seul, je pense, Ender Tank. Et ce latex-là, on va le stocker dans un Quantum, je pense. Quantum Tank. Et ensuite, quand on aura besoin de... Comment ça s'appelle ? Clac, clac. De rubber, on aura juste à lui apprendre un bucket de latex égale un rubber. Parce que certes, on pourrait lui apprendre ça avec des dandelions. Ou alors directement via les vines, parce que les vines, on peut les faire avec du nature essence. Et bucket, on peut le crafter avec des water essence. Mais ça me donne qu'un seul rubber. Ce serait bien d'avoir un autre système pour avoir du rubber qui va se faire automatiquement au fur et à mesure du temps. T'en as plus là ? Il n'y en a toujours que 50. Hein. Ah, par contre, il récupère plus. Est-ce que c'est parce que j'ai cassé les feuilles ? C'est peut-être parce que j'ai cassé les feuilles. Ah, il y en a 100. Ouais. Parce que j'ai cassé les feuilles. C'est efficace, hein. C'est efficace. Il faut 2 logs et 3 leaves. Ah, c'est pour ça qu'il monte les 3 leaves ici. Ok. Ok. Je comprends mieux maintenant. Et on peut voir quel log donne le plus. Ça, par contre, c'est bien. Donc, le jungle, c'est 50. 50 aussi pour le spruce. Tiens, faudrait que je regarde ça dans les crafts, comment ça fonctionne. On peut même récupérer le mineral résine comme ça. C'est sympa. C'est sympa. C'est déjà full, quasiment. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que très rapidement, je vais faire une pause pipi. J'ai besoin de faire pipi. Je sais, on vient de commencer. Ah, quoique, ça fait déjà 48 minutes qu'on est en live. Ça fait un petit moment. Hein. Je vais faire une pause pipi, je reviens très vite. Et, ah, c'est de la résine qui donne. J'ai pas fait gaffe, Thorion. Ça doit être le cas, ouais. Pause pipi, je reviens très vite. Et quand on revient, on va installer un gros setup pour avoir justement du latex qu'on va aller stocker dans un, comme je disais, Ender Tank. Et qu'on va aller stocker derrière dans notre base pour qu'on puisse en resservir pour crafter justement... nos rubbers.
16 mégas. Chut. Faut pas dire ça. Du coup, je vous mets de la pub. Je vous mets la musique plus forte, comme ça. J'enlève ma caméra. Et je reviens très vite. Heureux, je suis de retour. Je sais même pas si j'ai lancé la pause pub. J'ai mis autant de temps à... Oh, peut-être, je sais pas. Ah, tu peux pas imaginer un setup avec 3 leaves, 2/2 logs et juste remplacer le log qui casserait avec un clicker. Mais je crois que le log ne casse pas LOL Coffee, justement. Le chêne noir et le maple donnent du sap. Attends, on va re-regarder. On va re-regarder. Donc ouais, résine. Ça donne du résine aussi, hein. Et le latex. Ah, le latex se récupère uniquement avec du jungle log. D'accord, ok. Donc ouais, le latex, on n'aura pas le choix, ce sera du jungle log, quoi qu'il arrive. Et après, c'est du résine. Et le résine, lui, on peut le retransformer pour avoir du rosine. Rosine qu'on peut avoir, on peut transformer en rosine bloc. Putain, j'ai pas remis la webcam, désolé. Oui, la cam, j'ai oublié, oh là là. Calmez-vous. Qui va me servir pour faire le weak blue shard. Mais le weak blue shard, comme on l'a vu, on peut le crafter directement comme ça, hein, ce qui sera beaucoup plus pratique. Donc on va pas s'embêter avec ça. Et sinon, il y a quoi d'autre? Ouais, donc on avait vu qu'il y avait ça, le melril résine. Et c'est tout en fait, hein. On peut avoir de la lave avec du Hellbark, dis donc. Résine. Donc ouais, la texte, ce sera uniquement avec du jungle log. Hein. Il faut regarder si ça fonctionne si je mets justement un setup avec juste 2 planches et 3 leaves. Parce qu'il me semblait que c'était un arbre qui poussait naturellement, avec quoi ça marchait. On va regarder. Fais voir donc. Détail, on peut remonter. Donc 8000, ok, on est full là. On peut juste faire ça, hein. Du coup on va récupérer ce qu'il nous faut. Ok. Très bien. Ok, impeccable.
Alors, on enlève ça. Là, c'est tout noir. Si je mets deux logs... Ah, j'aurais dû récupérer des livres avant. Ah bah, il y en a là. Ok, donc ça, on n'en veut pas. On va le reposer. Donc, deux logs plus trois leaves, si je fais ça comme ça. Non, ça marche pas. Donc, c'est bel et bien un arbre naturel qu'il faut faire pousser pour que l'arboréal extracteur fonctionne. Hein, parce que là, apparemment, il veut pas. Hein. Sinon, on aurait... comment, le centre ici qui aurait changé. Avec un builder. De quoi avec un builder, 16 megs? Si je coupe l'arbre, ça ne spawnera jamais. Effectivement. Ok, on va enlever ça. Donc l'arboréal extracteur, on va en faire quelques-uns. On va l'auto-crafter celui-là. Clac. Alors évidemment, on va enlever ça hein, parce que c'est pas terrible. Gear en iron. Ah, des feuilles posées par un builder. Ouais, non, effectivement, ça. Ça dépop. Oh. Glace. Merci Ophénia pour les 4 subs. Merci à toi. Du coup Ophénia a offert un sub à Variant Bemoku 3 MTX et Laser. Bienvenue à vous 4 et merci à toi Ophénia, c'est très gentil. Ça a l'air d'être pas mal au niveau des crafts là aussi. Arboréal extractor. On va mettre combien d'arbres? On va en mettre une dizaine. Ah, le bucket il sait pas le faire, ok. Va falloir que je refasse un crafter d'ailleurs. Ok, et crafter, on va lui redemander un crafter netherite pour plus tard. Bah non, ça dépopera pas si elles sont posées contre du bois. Non, elles dépopent pas si elles sont posées contre du bois, non. Bonne soirée à toi, Torion. On ira chercher les jungle logs après. On va dégager ça et ça. Ça n'a pas besoin, ça non plus, ça non plus. Ok. On va attendre qu'il y ait les 9. Et du coup, pour ce setup là, comme dit, on va faire ça dehors. Mais du coup, dehors, si on le fait, il faudrait qu'on essaie de les poser intelligemment. Pas que ce soit posé à la dégueulasse. Déjà, dans un seul chunk, ce sera suffisant. Ça sera suffisant, pardon. Hop, tac, tac. Merci mon petit check pour les 15 et 15 bits en plus. Coucou. Coucou à toi mon petit check. 4 extracteurs contre un 9, ça fonctionnerait ou il en faut obligatoirement un seul? Je pense que tu peux en mettre 4 autour d'un arbre. Je pense que ça marche. On essaiera. On va le poser là-haut, on essaiera. Et au pire, si ça marche, on pourra en mettre d'autres, des arbres à l'extracteur. Hein. Du coup, il va nous falloir pipes, des fluid cables, il va nous en falloir un peu plus quand même. Ouh, iron, j'en ai plus. Fais-en un peu plus, s'il te plaît. Ok, avec. Pas besoin d'ajuster mes pipes, il nous faudra juste pipe punch. Et ender tank, on en a deux. C'est en autocraft. C'est suffisant. C'est suffisant. Ah, les feuilles sont posées en persistant trou. Ah, c'est dommage. Tu auras un mode paquette à conseiller pour bien débuter dans un peu tous les modes. Ragnar mode 5 est bien parce qu'il y a beaucoup de modes. Magie, tech, exploration avec un livre de quête très complet. Seule chose, c'est que le livre de quête sera en anglais.
Donc il faudra sûrement que tu fasses un... Alors c'était pas bon en anglais, il faudra que tu fasses un tour sur Google Trad quoi. Hein. Night, on va dormir avant. Je pense El Diablo, ouais. Je pense. Donc au niveau des chunks, on a ces deux chunks là. Tout le setup que j'ai posé ici pour me faire justement mon mon liquide tritium plus mon lithium, il va peut-être dégager. Hein. Il va peut-être dégager. Parce que c'est là depuis un petit moment, mais ça produit plus rien ça. Hein. Ça va dégager. Oh là là, je tombe. Ok, on va dégager ça, on va dégager ça et ça. Donc tous les fluides ici, là-dedans, on a quand même 7 202 000 millibuckets de lithium, ce qui est énorme. Donc on va prendre un tank. D'ailleurs, en parlant de tank, on va peut-être, cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, lui apprendre à faire du quantum tank. Ok. Donc on lui apprend à faire le quantum tank. Il va lui falloir Iron Sheet Metal. Il connaît, donc c'est bon. Donc il va lui falloir l'ultimate tank. Qui a demandé l'élite. Qui a demandé l'advanced. Qui a demandé le basique. Ok. On est bon. Si j'ai tank, on va lui demander un tank. Et on va stocker les liquides qu'on a en trou et là-dedans. Histoire que ça ne soit pas gaspillé quoi. Ok, il est là. C'est pas du liquide. Ça se vide pas, ok. Tritium, liquide tritium, ouais ça fait, c'est du gaz, ok. On peut pas le stocker, c'est du gaz. Donc je vais juste alimenter ceux-là et je vais les accélérer, histoire qu'ils consomment. Là il y a juste à lui, il y a juste lui à automatiser. Histoire qu'ils consomment à fond, en fin de compte, notre lithium en liquide tritium, etc. Ça continue à marcher là. Notre lithium il est toujours là. Lui il a besoin d'énergie solaire donc c'est censé fonctionner. Donc on va juste l'accélérer. Ok ça marche. Et là au niveau du liquide, oh la vache on en a pour une éternité de faire ça. Il y en a pour une éternité. Pas des gaz tanks. S'il y a des gaz tanks, si on tape tank, on a justement cela là, jusqu'au ultimate, qui stocke 512 millibuckets de gaz. Le problème c'est que là, on en a 7 millions quoi. Donc ça fait que, enfin 7 000. Ça fait beaucoup. Et on n'a pas de gros tanks pour stocker ce gaz. Peut-être que ça pourrait rentrer dans les Supreme Black Hole tanks. Aucune idée, j'ai pas essayé. Mais en termes de gaz, ouais, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. Donc on va juste processer ça le plus vite possible pour qu'on puisse mettre tout ça là-dedans. Et je vais en profiter pour dégager également ça. Voilà. Et on va stocker notre liquide tritium là-dedans. Et le jour où on en aura besoin pour X raisons, ça se trouve, on en aura peut-être jamais besoin, hein, et ben on va pouvoir l'extraire. Et l'idée c'est que
Peut-être que j'alimente ça aussi. On peut poser ça comme ça? Non. Ça, c'est dommage ça. Parce que là, ça on en a plus besoin. Ça peut s'en aller. Et ça non plus on en a plus besoin. Non, on en a plus besoin de ça. Ça dégage, c'était pour l'énergie ça. Ça c'est pareil, ça va partir pour l'énergie. On va juste reprendre un point. Là ce que je fais vraiment de l'optimisation. J'ai envie de dire ridicule. Puisque là on est juste en train d'essayer de terminer de consommer en fin de compte le liquide lithium qu'on a là. Et le brine justement. Donc toute la flotte qu'on a là, ça va dégager. Et donc toute la flotte qu'on a là, on va le transformer en brine. Pour pouvoir le transformer en lithium, pour pouvoir le transformer en dust. On peut accélérer ça. Ça s'accélère pas trop mal. Sauf que si je mets ça, ça devrait être instant. Voiture du brine. Peut-être que j'accélère ça aussi. Non, ça marche pas pour l'accélérer. Hein. Ça prend tellement de temps. Peut-être que la flotte, je vais l'enlever. Hein. C'est que de l'eau à la rigueur, on s'en fout. Et lui par contre faut que ça se dégage. Ça c'est vide, impeccable. Oh, on n'a jamais terminé de t'enlever. Allez bientôt tôt le bébé. Allez bientôt tôt le bébé. Merci à toi Nicolas pour le 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Dans un mois. Ouais, lui, hein, il est rempli en lithium. Hein. Tu me diras, avec 34 000 lithium, on devrait être tranquille. Hein. Ouais, vas-y, on va pas se prendre la tête. On va enlever tout ça. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas. Pipi 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 caca 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 prout 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 prout. Merci Marc pour les 100 bits. Tu viens de nous prouver quelque chose ce soir. Merci à toi. Donc le lithium, on va pas le ranger dans l'inventaire, on va directement le poser avec des drawers. Alors certes ça sera pas très joli, on va le poser là. Comme ça le lithium est connecté. Là, il est là. Et on n'a pas à se prendre la tête à savoir combien j'en ai ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait compte si je le laisse dans Refine Storage, le petit problème qu'on pourrait potentiellement avoir, c'est que si demain je veux faire un craft avec un drawer, il est capable de me le prendre sans réfléchir. Et ça du coup. Ce lithium c'est chiant. Venom, Let's There Be Carnage ou Venom, ça va être un carnage, hein, au Québec est un film de. Super-héros américain réalisé par Andy Serkis et dont la sortie est prévue le 20 octobre 2021. Il s'agit du deuxième film du Sony Pictures Universe of Marvel Characters après Venom 2018 de Ruben Fleischer dont il est la suite. Effectivement Marc. Je suis au courant. Merci à toi. Ouais, tant pis s'il y a du gaspillage de ressources. J'ai gaspillé énormément de ressources là, mais j'ai pas envie de rester 107 ans à attendre que ça se, processe, donc ça ira très bien comme ça. Pickaxe. Impeccable. On prend un chunk, on prend celui-là. On va enlever ça. Et on va enlever tout ça, et on enlève ça. T'as regardé hier Venom? Oh, je l'ai regardé il y a un moment, moi.
Alors du coup, un jungle sapling, on va enlever ça. On va le mettre là. Et on va le faire pousser. Impeccable. Donc du coup, l'arboréal extractor, là il fonctionne, mais du coup on peut en mettre 4. On peut en mettre 4 effectivement. Et les 4 fonctionneront à la même vitesse. Et de souvenir, hein, ça casse pas le log. Ça casse pas le log. Donc maintenant on peut en mettre un autre là. Et faire ça. Et du coup, si on veut vraiment beaucoup de latex, on peut forcer les arboréales extracteurs. Hein. Tu fais quoi, Emel? Je suis en train de mettre un setup pour farmer le latex de thermal. Parce qu'en fin de compte, on a regardé la première rune qu'il fallait autocrafter et la première rune... Rune of Summer me demande des blocs of rubber. Et les blocs of rubber, ça se fait avec du rubber. Et le rubber, le plus simple, c'est de passer par le latex bucket. Le chunk load, je vais le remettre après. Là, j'ai pas fini. J'ai pas fini. On va juste les mettre en ligne, là. Donc, il y a deux d'espace. Ouais, c'est bien, hein. Ok. Et du coup, fluid pipe. Comme ceci, s'il vous plaît. Tac, tac. On n'est même pas obligé de connecter ça en vrai. On peut le connecter là. Ou alors on peut les connecter là. Attendez. On connecte les deux là, celui-là ici, celui-là là. Les deux là, là et là. Il faudra juste les ramener par en dessous, je pense. Et on va les mettre ici. Là-dedans. L'appel. Est-ce que tu peux empiler les rubber extracteurs? Peut-être, je sais pas. Déjà, ils ont... J'ai pas l'impression qu'ils refonctionnent là. Est-ce qu'il faut vraiment de la dirt en dessous? Il faut pas casser la dirt en dessous du coup. Ouais. Ça et on va directement mettre les câbles en fin de compte. Et on va évidemment leur demander de faire de l'extraction. Alors, si on remet de la dirt un peu partout, est-ce que ça va me recasser tout ça? Genre là, on re-remplit. Ou est-ce que ça s'arrête tout simplement à un moment? Je pense pas, hein, que ça fonctionne comme ça. Ouais, là, ça marche. Ok, ça marche. Et là, on a déjà 1400 millibuckets de latex. C'est pas mal. Oui, on vire les câbles en surface. On laisse ça comme ça. Donc du coup, tu demandais si on pouvait stacker les arboreal extractors. Non. Apparemment, tu peux pas les stacker.
Il faut probablement que lui soit posé sur un bloc peut-être de dirt, je sais pas. Mais il doit être posé. Ça, c'est une certitude. Du coup, on va enlever les troncs qu'on a là. Hein. Et on va creuser. Juste nécessaire, histoire de poser les derniers. Okay, ça va aller jusque là. Arboréal, on a les 30 qu'on a demandé. Ça fait beaucoup, mais on en a. On va mettre ça ici. Très bien. Oups, ouais, attends. Tac, tac. Ça fait quand même overkill, hein. On recasse tout et on fait passer les câbles. Ah, rien de tout ça, disons. Attends des buckets. Bon, je vais les prendre après. Pof, t'extrais, tu extrais. Et tu extrais. Et toi aussi. J'en ai loupé un d'ailleurs ici. Voilà. Impeccable. Voilà, là il me faut mes buckets. Ouais, il en manque une, je viens de voir ça. Je viens de fixer. Parfait. Allez, on remet de la dirt partout. Impeccable. Oups, non, ça j'en veux pas. Par contre, on va peut-être laisser un câble là et virer ça. Ouais, mieux. Mieux, mieux, mieux. Nice. Et là, j'ai plus qu'à replanter mes saplings. Oh non, je les ai rangés. Bam, 9 mois. Mince, j'ai raté les consécutifs. Bonne soirée à toi. Merci à toi, Le Monde, pour le 9e mois d'abonnement. Pas de soucis pour les consécutifs, c'est pas grave. Merci en tout cas pour le 9e mois, c'est gentil. Ok. Et donc là, bah, ça va farmer tout seul. Faut juste que je pense à remettre mon chunk loader, qu'on va poser là directement. Et on aura un petit peu de place dans ce chunk là pour pouvoir poser d'autres choses si on veut. Pour l'instant, je vais juste laisser le latex. On n'aura pas forcément besoin d'une tonne de Rune of Summer, mais j'aimerais au moins que le latex soit automatisé, quoi. C'était le principal. Et donc là, on va lui redemander un Quantum Tank. On va stocker ça. Ça, on n'a plus besoin. C'est bon, ça c'est bon. Et on va retourner à la base. Ok. Au niveau des tanks, je pense qu'on va continuer à faire le bourrin, c'est-à-dire qu'on va revenir dans le compact machine maximum ID 1 pour foutre le tank au-dessus et mettre un storage. Pareil, ça on redéplacera probablement plus tard. Quantum tank. Ah non. Fluide. Et donc là, normalement, voilà, on a notre latex. 5 buckets déjà. 5 buckets. Alors, maintenant, il faut qu'on lui apprenne ce craft.
c'est-à-dire le block of rubber. On va enlever l'arboreal extractor. Et le block of rubber, c'est obligatoirement le latex bucket. Le problème, c'est que le latex bucket, si je veux le récupérer, je crois pas qu'on puisse faire le craft directement avec Refined Storage comme ça. L'essence mob et tout ça, c'est ailleurs encore. Il faut que je fasse un autre setup pour le connecter. Mais ce sera fait, ça. Peut-être... Attends, je réfléchis comment il faudrait qu'on fasse ça. Parce que je vais pas faire une machine thermale juste pour crafter des buckets de rubber, c'est hors de question. Merci PandaShun pour le 9e mois d'abonnement. Merci à toi. J'ai pas envie d'installer un système Tinker juste pour faire ça. Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Allez, je réfléchis, il y a d'autres méthodes là. Bienvenue les crafters. Crafters des RevTools ne prennent pas les fluides. Après, je crois que... Comment ? Lui, là, le séquentiel fabricator. Bon, il y a juste... Ah, le machine frame, il est cher quand même. Juste pour du latex. Ce serait embêtant. Après, il y a des crafts, en fin de compte, qu'on peut... Enfin, on peut faire plusieurs crafts là-dedans avec du liquide. Faut voir. Je suis pas sûr de vouloir finalement. Stocker le latex. Le problème, c'est qu'il va nous falloir plusieurs latex pour pouvoir récupérer les buckets, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, on se prend pas la tête et on fait ce craft là. Le problème, c'est que si on lui en demande plusieurs, il faut qu'il fasse plusieurs buckets. Ça va être ridicule d'avoir plein de buckets dans Refined Storage. Fluide encapsulateur. Ce serait quand même con de refaire cette machine là juste pour ça, quoi. On a toujours le crafter qui peut aller récupérer le bucket, mais pareil au niveau des crafts, si je veux faire un bloc, il faut qu'il fasse 3 buckets. Alors qu'on a le fluide, quoi. Je suis même pas sûr que le fluide encapsulateur fonctionne au niveau du craft. Hein. Puisqu'il n'y a aucun craft en fin de compte ici qui te dise que pour avoir des rubbers, je peux utiliser que un... Comment ? Là oui, c'est un bucket de latex, mais je veux dire juste le contenant du latex bucket. Pas forcément avec le bucket. Je sais pas si c'est faisable ça. Juste un liquide égale un item. Non, les lianes ne sont pas dures à faire. Le bucket d'eau n'est pas non plus dur à faire. Là, ce craft-là, je peux le faire facile. J'ai tout ce qu'il me faut. On a toutes les ressources nécessaires pour le faire. Sauf que j'ai envie de faire celui-là. Avec le latex bucket. Sinon, c'est ce que je viens de faire là-haut, ça ne sert à rien. Plus petit que 3. Merci Boycott, c'est gentil. Je veux passer par directement le latex de thermal plutôt que de passer par là. Parce que ça, ça va demander énormément de craft. Parce que le water bucket, il va demander... Bon, water essence, c'est pas un problème, mais c'est surtout le bucket, en fait. Et le bucket... Refined Storage n'est pas intelligent, comme Applied, en fin de compte. Hein, il n'est pas capable de dire... Si je veux 9 rubber pour faire un bloc, tu me prends un bucket et tu fais ce craft-là 9 fois, en fait. Non, il va vouloir 9 buckets pour faire 9 fois ce craft-là. Et du coup, il sera obligé de recrafter à chaque fois les buckets si je lui en demande plus, quoi. C'est le seul souci que j'ai avec ça, ce qui est un peu chiant. Alors que normalement, avec le latex directement, on peut faire nos rubber. Donc on me dit qu'il y avait Industrial Forgoing.
Elle s'appelle comment votre machine pour faire des crafts dans Industrial Forgoing? Non, Cacusus, c'est pas la même chose. Justement, on a utilisé la machine thermale comme pour faire la poudre de Power, mais parce qu'il y avait des items dans ce craft-là, avec le liquide. Là, c'est uniquement le liquide, il y a zéro item. Je sais pas, Project. Mais le souci, c'est que je peux pas faire ce craft-là parce que... J'ai besoin de contrôler mes crafts à partir du liquide que j'ai. Parce que je peux crafter un million, enfin peut-être pas un million, mais je peux crafter énormément de buckets, c'est pas un problème. Mais si je ne sais pas exactement combien j'ai de liquide dans mon stockage, je suis pas capable de savoir si mon craft va pouvoir se faire. Parce que certes, je peux lui mettre un tank de mécanisme et essayer de faire une importation du bucket pour l'extraire et du coup faire mes crafts derrière. Mais s'il est pas capable de récupérer du liquide parce qu'il y en a plus, bah le système Refine Storage va pas me dire non, je peux pas faire ce craft. Je veux faire en sorte que Refine Storage check combien j'ai de millibuckets de latex pour me dire ok, je peux faire ce craft là. Si je n'ai pas en fin de compte le suffisamment de millibuckets de latex, bah le Refine Storage va me dire non, je peux pas. Alors que là, avec un système externe, en rajoutant des buckets, en disant voilà, un bucket égale ça. Bah, le souci qu'il va y avoir, c'est que bah il va envoyer autant de buckets qu'il veut. Mais il n'est pas capable de savoir combien j'ai de liquide en fin de compte. Et c'est pareil, 16 megs. Je peux pas savoir combien j'ai de fluide. Et si je fais cette technique-là, je suis obligé de faire un système Tinker. Et Tinker, j'ai clairement pas envie de me lancer dedans. C'est long et c'est chiant à faire Tinker pour faire couler un bloc. En fait, j'attends qu'on me donne le nom du bloc d'Industrial Forgoing. On me dit, ça fait déjà plusieurs streams, qu'on me dit qu'il y a un bloc dans Industrial Forgoing qui permet de faire des crafts avec des fluides. Là, j'attends le nom parce que je le connais pas, le bloc. Bonne nuit à toi, Yanissi. Et Edinix, je vais pas m'amuser à mettre 100 buckets dans un drawer juste pour lui dire tu vas faire des crafts. Bon, le problème c'est qu'un social, si je tape fluide, on a le fluid sieving machine, le fluid laser base, le fluid collector, le fluid placer et le fluid extractor. On n'a pas de fluid crafter. Et ici ça marche pas. Donc Industrial Forgoing, c'est pas une option possible. Alors Razorback, est-ce que t'es capable de me confirmer actuellement qu'avec cette machine là, je suis pas obligé de lui mettre des liquides ici pour valider un craft, enfin des items. Est-ce que juste en mettant le liquide, là, il est capable de me faire le craft ici? Parce que là, il est capable de le voir, le craft, parce qu'il y a des items. Et parce que je lui donne le liquide Starlight Bucket. Quoi que tu me diras, si je lui mets le bucket de rubber latex, là. Si, il est capable de me le faire. Mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Je le voyais pas comme ça. En fait, je voyais le problème du... il n'y a pas d'item. Mais si je le fais comme ça, avec cet item-là, ça devrait marcher. Clique là s'il te plaît, voilà ça. Donc je vais faire un autre séquentiel fabricateur. Table de craft il connaît pas. Oh, c'est quoi ce délire? Allez. Oui, j'avais compris, Razorback. J'avais compris.
Donc faut juste qu'on lui donne des augmentes. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Celui-là et celui-là. Et celui-là, pardon. Il craft vite, c'est cool. Je peux faire de shift click, c'est dommage ça. Ah, ok. Donc là, si je vais chercher la tex, on n'a pas de bucket, ok. Bucket. Allez, le bucket. Processing. On enlève ça, il faut qu'on lui donne le bucket de latex ici. C'est ici. Donc latex. Un bucket. Non, faut que j'enlève ça. Si, fluide. Processing. Putain, faut que je vais y arriver. Ok, un bucket de latex égale 3 rubber. Hein. Ok. Et donc si je te mets ça ici, on va aller le craft. Faut que je lui donne un crafter. Ce qui est dommage, c'est qu'avec le séquential fabricateur, on est obligé d'avoir justement qu'un seul séquential pour un seul craft. Crafter, ok. Ça c'est non. C'est chiant les fans de storage. Ok. Clac, speed. Donc là, si je te donne un bucket. Ok, les trois ils sont là. Et maintenant là, on va récupérer le même setup qu'on a pour lui, c'est-à-dire l'extraction là. Hein. Oups. Et on est bon. Donc si je te demande rubber 64. Ok, là il va checker le liquide. Donc 20, il est capable. Parfait. Le craft est ok. Et du coup ça en bloc. Et maintenant on a le bloc de rubber. Ok. Et bon, on aura mis 2h30 pour ça. Bon. Retournons au Rune of Summer. Ça, on va l'enlever. Il va nous falloir un slime. Slime, je crois qu'on a la possibilité de les faire facilement ou pas. Non, on n'a rien au niveau des slimes. Donc il va falloir qu'on récupère probablement une gun de slime. La possibilité de le faire. Et pour ça, il faut que je tue des slimes. Il faut que j'en trouve un slime. Ça et slime, on va pouvoir le trouver dans les marais. Tu me diras, j'ai probablement des chunks à slime en bas. On va faire le bourrin, je pense. Est-ce que je peux les repérer? Ah, attendez, slime. Est-ce qu'il y a un item dans le jeu qui me permet de repérer les chunks à slime? Ça, slime in bottle de Botania. Slime in bottle, donc il va me falloir half glass. Half glass, je l'ai pas fait l'half glass, ok. Mana glass. On va retourner sur Botania. Et on va t'envoyer dedans. Paf. Anne. Slime in bottle, ok. Au niveau de la base, on va
descend, on affiche les chunks. Et dès qu'on tombe sur un chunk à slime, on va enlever le... Voilà, ici c'est un chunk à slime. Ça se voit parce que slime in bottle, on peut voir qu'au niveau de l'inventaire, le petit slime qu'il y a dans la bouteille bouge. Dans ce chunk là, il bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de chunk à slime. Ici il bouge, ça veut dire qu'il y a un chunk à slime. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sur cette zone dégager les slabs. Juste pour permettre au slime de spawner si on s'éloigne. En capturer un ou alors directement les dégommer si on a beaucoup. Hein. Et faire une graine de slime pour avoir des slimes facilement. Et ça c'est plutôt pratique. Donc là on fait le tour et ensuite on va faire un petit bar excavator. Ok. Donc on s'éloigne, on enlève ça. Alors je sais pas si les slimes vont spawner avec toutes les torches que j'ai posées partout. Ça, ça va être la question. Je crois pas que ça va spawner hein, en vrai. Vu que j'ai posé les torches. Il y a peut-être un autre moyen de faire des slimes. Je sais plus avec ça, avec le Cocoon of Caprice, je sais pas si on peut lui donner des slime balls pour faire un slime. Je sais qu'on peut lui donner des émeraudes pour avoir un PNJ. Mais je sais plus si on peut lui donner des slimes. Parce qu'en vrai, j'ai pas forcément envie de... d'enlever les torches. Fais voir si je donne du slime. C'est à dire que si je retourne au niveau de la base et que je fais ça. Non, ça marche pas avec les slimes. Nettoyer le magma crime, ça peut être une idée. Ah, je peux faire ça avec du cactus. Bon, mais le problème qu'on a là, c'est que en fin de compte. J'aimerais avoir une production de slime. Donc même si on pouvait nettoyer le magma crime, il faudrait qu'on ait un apport de magma crime. On peut pas mettre de slime là-dessus, donc je sais pas. Ah bah le cocon a explosé, ok très bien. On peut aller chercher une île Tinker aussi, c'est pas bête. Ok. On va regarder si on peut trouver une île Tinker. Time. Le seul truc c'est qu'il faut que je me déplace loin étant donné que bah, on a commencé le monde sans qu'il y ait d'Hill Tinker en fait. On va regarder par là-bas. Item pour capturer les slimes provient de quel mode s'il te plaît? De Industrial Foregoing. C'est le Mob Imprisonment Tool. Ominous Wood. J'aime bien cette jungle. Enfin cette jungle, n'importe quoi. Le bois qui se génère ici. C'est une Pokéball à mob, oui. Alors la vraie Pokéball à mob, en vrai, c'est celle de Thermal si elle existe encore. Je crois qu'elle existe encore parce que je l'ai vue. Si je regarde Slime. C'est ça, ouais. L'ectoplasme. Rien à voir. Non, rien à voir, je me suis trompé. Mais Thermal avait des vrais Pokéballs à une époque.
C'est une boule que tu lances sur les mobs et ça les, récupère. Et quoi là-dedans? Je suis curieux. Mythic affix tome. Can I affix? Taking some of them as its own. This item must be mystic or weaker and will be destroyed. Je sais pas ce que c'est. Uncommon affix tome. Je sais pas du tout ce que c'est ces trucs là. Bon, les îles Tinker, elles sont un peu timides là. Faut qu'on se dirige dans les zones non explorées. Ouais, Golden Lasso, ouais, c'était pas même pété, ouais. Après, sur Extra Utility, il y avait quand même énormément de choses qui étaient pétées, hein. Météorite qui est tombé là. Bah, Extra Utility, pardon. C'était vraiment chouette comme mode. Bon, ça a pas l'air de vouloir spawner les îles de Slam ici. Hein. On peut toujours aller dans le Nether ou dans l'End pour en trouver. Il y a des îles différentes. J'espère juste que ça marche pour avoir la graine. Il va nous falloir tac tac, il va nous falloir ça. Soldas, ouais, il faut que je retourne à la base pour le faire. Où est-ce que j'en ai loupé une exactement? Je la vois pas sur la map là. Hein. Il y en a une là, ouais. Et quoi, celle-ci elle est bien aussi. Par contre, faut que ça spawn. Ok, ça a spawné. Ouais, c'est tout ce que je veux. Slash home. Donc, on a besoin de Smooth Soulstone. Hein. Soulstone, tac tac tac. On va foutre ça dans les fours. Voilà. Impec. Et lingot. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me faire spawner des slimes là? Et pour voir. Et là, c'est bon. Ah, il n'y a pas d'énergie par contre. Comment ça se fait? Si, il y a de l'énergie dedans. Ok, il va pas vouloir parce qu'il y a probablement ça en plus maintenant ici. Hein. On revient là. Tu me diras, il n'y a pas d'essence non plus. Essence, on va en récupérer. J'en ai pas posé là. On va aller au niveau de boot. On aura ce qu'il faut.
Point. La bucket. Ouais, ça remplit pas. Hein. Ok. Donc l'idée de faire des trucs comme ça avec ces mobs là, ça marche pas. Hein. C'est une entité totalement différente du slime. Donc là, ce qu'il me faut, c'est du slime. Et pas les slimes de Tinker. Parce que ça remplit pas les souljars. Donc on range. Et bah, ça peut dégager. Ok. Pas d'avoir besoin de ça, je veux vraiment capturer un slime. Bon. Sinon on va dans un marais. Marais, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Par du slime. Toi. Il est où le mec? Je peux pas le capturer? Mais fous-moi la paix. C'est relou de pas pouvoir le voir là. Non, je peux pas le capturer, ok. Envole-toi, parce qu'on t'agresse. Je réfléchis, les slimes. Est-ce qu'on enlève nos slabs et on enlève les torches? Le problème, c'est que ça va spawner des mobs partout. Bonjour, merci Rinzuka pour le 30e mois. Je vous souhaite tous un bon livre de qualité et reposant. Merci à toi Rinzuka. Pour le 30e mois d'abonnement. C'est même pas des vrais biomes. Comment? Marais. Ceux-là. Puis ils sont loin. Non, faut que j'enlève mes slabs. Je vais refaire ça. Et on va enlever les torches. Et puis on va faire. Oh, tu me diras, je pourrais avoir le. Ah non, c'est slime. C'est pas la même chose. Ok, on recommence. Pas beaucoup de chunk à slime hein. Bonjour non. Oui, je n'ai pas d'autres messages. Gros cœur de soutien. Merci Miko. Vérenicia pour les 170 bits. Merci à toi. Et merci également à Inzuka pour avoir offert un sub à Vampline. Merci à toi. Ok, on va faire ça ici. Peut-être que le chunk là sera assez loin pour que les SM puissent spawner, on va voir. Alors si je m'éloigne. Et merci beaucoup Rinzuka pour avoir offert 10 subs à la communauté. Merci beaucoup. Du coup, Rinzuka a offert un sub à Romrex01. Mais que du Texas. Non, ou ma que du Texas. Peut-être. Zenith, Lucifer, Burnew. Lord Duval, Leps, Vince Panda, Thomas, Donny. Vengeance et Monster Zen. Merci beaucoup Rinzuka pour les 10 subs.
Voilà, je retourne à la rediff du début du live. J'ai loupé une partie. Bonne soirée. Ça marche, merci à toi, Rizuka. Alors, j'avoue, on galère un peu là à avancer. Parce que là, on a toujours pas automatisé. Là, en fait, on a commencé le live en se disant on automatise les runes de Botania. Qu'est-ce qu'on a fait? On a encore rien automatisé en termes de runes. Pas avoir le choix de les enlever. Hein. Il va y avoir des mobs qui vont spawner de partout, ça va être relou. Allez. Tu peux faire un egg de slime aussi. Tu fais comment ton egg de slime? Je voulais pas te regarder, toi, fous-moi la paix. Il est bizarre ce mob quand même, hein. Avec des charmes fragments, d'accord. Et les charmes fragments, il te faut quoi comme charmes fragments? Il te faut des charmes fragments de slime, je me trompe? Ils se craftent au moins ceux-là ou pas? Ils se craftent avec des slime pearls. Les slime pearls, il en faut 6 pour faire un slime charme fragment. Et pour le spawn egg, il en faut 2. Donc si on tape slime, j'en ai que 6, donc c'est pas possible comme idée. Que de base, faire un comme un spawn egg de slime, c'est qu'il faut forcément avoir tué des slimes avant. Par contre, les slimes veulent pas spawner ici. Hein. C'est pourtant bien un chunk à slime. Il y a 0 slime, c'est chiant. Ah, les creepers ça spawn, hein. On est couche 5, enfin couche 9, donc oui, au niveau de la hauteur on est bon. C'est pas con ça, Néo Matamune. C'est pas con. Allez, c'est bien. Ça, F7. Ok. Oui, Kakuzu. Néo Matamune a fait la remarque. Waouh, ça spawn. Ah, faut pas être pressé, hein. Ah, ça y est. Ok. Ça, c'est fait. Ma wand, on y retourne. On va pouvoir reboucher ça. C'est quoi déjà le truc? Ok, déjà j'ai l'impression que mon... Ouais, j'ai mis mon clavier en QWERTY. Ctrl Shift. Ah oui, non, mais c'est pas le même Shift, ok.
Parce que moi, pour shifter avec mon perso, c'est pas le bouton shift, hein, c'est le bouton A. Ok, F7 on enlève et on va retourner. Ça, ça dégage, ça dégage. On enlève ça. Au niveau de Woot, on va remettre notre spawner. Mob. Voilà. Avec un bucket. Et un point. Mon dagger, il est où? Il est là. Bon, j'ai du slime qui sera dans le nether. C'est pas grave, ça. Ah, tu veux un autre bucket? Ça va vite en tout cas, c'est bien. Ah, avec 4 doigts, bah avec avec un doigt. Ok, nice. Ça, c'est fait. Je vais le laisser ici, lui. Pas besoin de le bouger. Retournons à la base et il va nous falloir Prudentium. Prudentium. Tac, tac, tac. Et Seed. Voilà, on va pouvoir faire notre graine de slime. C'est pas la même graine, pardon. C'est celle-là qu'il nous faut. Si, si, il faut qu'on remette les big torches là. On va les remettre tout de suite, sinon je vais oublier. Slab. Voilà, c'est fait. Du coup, base, on va retourner sur un crate en diamant parce qu'on en a plein, avec un botany pot et un insenium essence. Impeccable. Il faut qu'on fasse de la place au niveau de ce truc là de graines. On va enlever un peu de graines ici qui sert à rien. Voilà. J'aurais dû les jeter à la poubelle. On rentre là-dedans. Et on est reparti. Alors, ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais dit hier, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. C'est que je range un peu les graines et que j'en mette plus. J'avoue, j'ai rien fait pour le moment. Hop. Clac. Il va nous rester un drawer. S'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Cool. Donc on a une source maintenant constante de slime. Faut juste qu'on lui apprenne le craft et on est good. Slime. Voilà. Maintenant, on a du slime. Tant que ça produit. Donc Rune of Summer, Slime on l'a, ça on l'a.
Les Mullen Shelf. Ouh. C'est un peu chiant ça comme craft, non? C'est un peu chiant. Alors au niveau des melons, on a une graine qui est déjà en train de pousser. Au niveau de nos machines ici. On pourrait coller storage. Oups. Là. Ici. Et du coup pareil pour lui. Comme ça on va mettre du câble. Il va nous en falloir un peu plus de câbles. 128. Allez vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-nous plein de câbles. Comme ça on connecte tout ça à Refund Storage. Les graines, ouais, c'est pas mal cheaté. Ouais. Bon, après c'est pratique parce que ça t'évite de passer ton temps à installer un milliard de machines pour farmer les slimes, les blocs, plein de choses. Oui mais t'as slash, c'est l'acide de la map. Ils prennent son temps à faire les graines, les câbles. Ah non, j'ai cru que j'étais en mode freeze, mais non, j'étais bloqué par ce truc-là. Et qu'on va ramener le câble ici, et on va faire un petit détour ici. Câble. Impeccable. On va juste mettre un coup de clé là-dessus. Voilà. Et là du coup on a nos melons et on a nos HDPE. Yes. Parfait. Du coup pour faire nos melon shelf, il va nous falloir bookshelf, melon et glittering melon slice. Donc, glittering melon slice c'est avec des gold nuggets qui connaît. Donc pas un problème. Et bookshelf, c'est avec des planches et des livres. Et les livres, c'est avec du cuir et du papier. Book. Ok. Leather. Qui est pas capable de le faire, le leather. Donc on va lui apprendre, étant donné qu'on a fait la graine de cow la dernière fois. Donc pas de souci à faire. Et par contre, paper. Oh, on a 16 000, on va pas lui apprendre, ça sert à rien. Le jour où je serai à court de papier, c'est pas demain. Et dans le pire des cas, on peut toujours lui apprendre vu qu'on peut avoir de la canne à sucre autant qu'on veut avec des natures essence. Let's go pour faire d'autres patterns. Bienvenue à toi, 16 meg. Ok. Et là maintenant, tout le reste, on est capable de le faire. Donc on peut faire bim. On enlève ça. Limirock. J'ai vraiment pas cette place sur mon bureau, c'est terrible. Bam, je vais le garder sur moi. Et du coup, Rune of Summer. Ça y est, une nouvelle graine. Une nouvelle rune est automatisée. Il n'y a plus qu'à voir si ça marche. Summer. Let's go. Est-ce que ça a bien marché ? De crafter tout le reste avant. Buffy Summers. Non. Non. C'est vraiment dommage que ce soit pas comme Applied et ici d'avoir un bouton là-haut pour voir où en sont les crafts. Hein. C'est pratique ça. Mais ok, il a pu crafter ce qu'il fallait. Il a cliqué. La rune elle est là. Rune of Summers, c'est une quête. Et on va lui mettre un filtre ici. Impec. Donc la Rune of Summer, on peut l'enlever. La Rune of Autumn maintenant. Donc la Rune of Autumn va nous demander des choses qu'on a déjà. Il y a juste les leaves qu'on n'a pas. Oula, il met n'importe quoi comme leaves. On peut faire des leaves avec des natures essence. Non. Ok, le seul moyen pour nous de farmer les leaves automatiquement, ce serait d'installer une ferme à bois.
qu'il y a un... Au niveau d'industriel, foregoing, il faudrait qu'on utilise... Je sais pas s'il existe encore celui-là d'ailleurs. Je le vois pas d'ailleurs. Non, il doit plus exister. Avant, on avait un moyen de lui demander de récupérer les leaves. Alors peut-être que ça y est sur le plan de gatherer du coup. Peut-être que ça y est. On n'a plus non plus les fortunes et Silk Touch add-on. Hein. Non. Un bouton qui s'appelle Harvest Leaves. Hein? Ouais, un builder, techniquement, il est capable de prendre les leaves avec un... Avec ce qu'il faut en Silk Touch. Mais du coup, le problème c'est qu'en récupérant les leaves en Silk Touch, on récupère plus de saplings. Ah si, les botanipotes ils peuvent récupérer des leaves, ouais. Ça peut le faire naturellement, c'est juste que ce sera beaucoup plus long. Après ça, ça peut être le genre de ressources que je peux aller farmer manuellement, très rapidement. Comme avec les graines, faudra me dire c'est quoi. Les pousses se font avec les essences. Oui, je me doute. Mais ça veut dire que sur le setup que je veux faire, il va falloir qu'on exporte... Refine Storage pour lui dire ok, les saplings tu vas les crafter avec Refine Storage, donc tu vas les mettre dans cette machine là, tu fais pousser les arbres et ensuite tu récupères tout. Alors qu'une ferme à mob qui génère ses saplings automatiquement, on n'est pas obligé de ramener Refine Storage, on peut juste ramener un Ender Chest et basta. Si je dois en avoir en stock des leaves, c'est pas le problème. C'est juste que là je réfléchis à automatiser la récupération des leaves. C'est sur P8. Récupérer les feuilles juste autour du tronc et laisser le reste despawn, ça peut marcher seulement si je fais le builder. Le Botanic Void Miner prendrait beaucoup trop de temps. Il n'y a pas d'intérêt. Ah, je sais qu'il quittera, hein, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses que j'automatise qui me servent à rien et que je peux aller farmer manuellement aussi. Ça a des leaves, j'en ai que 21 leaves, donc ce sera pas faisable. Je suis pas sûr que de récupérer les leaves autour du tronc, ça laisse beaucoup de chances d'avoir des saplings naturellement. Hein. Je pense que le mieux c'est quand même de balancer un truc passif. Quoique non, les oak leaves, ils les récupèrent pas avec les botanipotes. Hein. Je suis en train de voir. Pardon. Non, il récupère pas les oak leaves avec les botanipotes. Si je veux le faire, c'est automatiquement avec une machine qui récupère ou alors moi qui vais en farmer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il faut que je fasse quelque chose.
C'est marrant ces trucs là. Savoir si je les ai dans la base, il va pas y avoir de place, donc il faudra qu'on le mette dehors. Donc ça, que ça prenne pas trop de place, parce que j'aimerais garder ça dans un chunk. On peut le mettre là où il y a déjà les machines qui récupèrent du latex. D'ailleurs, j'en ai combien? 58 buckets. Le latex, ça fonctionne bien. Je crois que je vais pas avoir le choix d'exporter Refine Storage. On va pas avoir le choix. Je vais voir ça déjà. Non, tu peux pas choisir ici. C'est quand même dommage qu'ils aient retiré la Don Cheers et la Don Fortune. C'était pratique. C'était très pratique. Il va nous falloir RF Tool, il faut qu'on refasse un builder du coup. Et Social Forgoing, il va nous falloir le Plant Sower. Avec un point. Bypass pour l'énergie. Donc non, ça va pas être bien, bypass pour l'énergie. Mechanism. On va en refaire. Ah, j'ai plus d'alloy. Ok, 20 chaque. C'est vraiment retiré, c'est juste pas remis dans le mode. Non, c'est pas remis dans le mode. Parce que je crois que par défaut, tu récupères pas de stick. Oh, c'est déjà fini. Putain, je vois rien. Oula, il m'a fait des achievements. Ok, on a plein de câbles pour l'énergie, c'est bien. Oh, le métal ailleurs, il l'a changé par rapport à avant, c'est l'engem, c'est sympa. Bon, l'aspect transparent sous le bloc, c'est pas terrible, mais c'est sympa ce qu'il a fait. Avant, c'était juste un bloc. Refine Storage. On va prendre un receiver. Ok, il va me manquer de l'ebony. PSI. Est-ce que je l'ai gardé sur moi, l'autre? Ouais, il est là. Ok. Du coup, on va aller dans l'end. Non, off. Nice. Voilà. Tu me diras, je vais en refaire, tiens. Encore et encore et encore. Je suis encore trop près de mon clavier. C'est affreux. Contrôle. Hop. J'ai la tête trop baissée. Donc je récupère tout. Ok. Parfait. Donc les bonnies, il a tout ce qu'il veut, il a pu nous embêter. Et ce qu'on voulait, c'était... Je sais même plus ce que je voulais. Merde, je suis trop fatigué. J'ai les neurones qui se sont déconnectés. Refine Storage.
Nectar card. Il va nous falloir un exporteur. Faut qu'on lui apprenne également Oak Sapling. On va lui donner l'autre crafter parce qu'à un moment on n'aura plus de place. Ouais. Receiver, exporteur. La carte qui s'est faite est là. Et donc il va falloir que je récupère un transmetteur. Quand ça se termine. Comment réveiller tout le chat? C'est-à-dire comment réveiller tout le chat? Tout le chat, pardon. Non, je pense pas qu'il quittera. Je ne pense pas. On va lui mettre une autre couleur, on va le mettre en yellow. Coucou Mandeg, après quelques jours d'absence, je suis de retour et je kiffe le live. Merci à toi Dabokelu, merci beaucoup. Donc ouais, je disais que je ne pense pas, tout simplement parce que comment Forager, j'aime beaucoup le jeu, clairement. Il est vraiment très cool. Mais j'attends trop longtemps en fin de compte de bonnes mises à jour. Ils avaient promis la mise à jour multi, finalement ça peut pas se faire parce qu'ils ont trop de soucis. C'est comme ça, hein, on va pas. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, bah, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de contenu. C'est pour ça que j'avais l'idée aussi de faire un modpack de Forager. Mais j'ai pas le temps de me faire chier avec ça. Tiens, reste au milieu toi. Voilà. Et on lock. Donc non, faut faire ça. On lock. Voilà. Comme ça, il récupère que ça. Merci Dabokelu pour avoir offert un sub à Sweezy TPK, pardon. Merci beaucoup Dabokelu. Merci à tout. Ok, donc speed, efficiency, comme ça va aller beaucoup plus vite. Il va nous falloir évidemment le builder de RF Tool. Bim, il est là le builder de RF Tool, il est beau, il est magnifique. Alors c'est pas bon, voilà, on va le poser là. On va mettre notre flux point, nos câbles, incroyable, on a de l'énergie partout, c'est beau. On pose ça là, on enlève les chunks, on n'a plus besoin de les voir. Et il faut par contre, qu'on pose ça là, en jaune, avec la carte. Mettre cette carte là dedans. Ok, on remonte. C'est bien en jaune, impeccable. On va lui faire un exporteur et on va lui dire d'exporter ça. On va pas lui dire d'aller vitesse grand V, il a pas besoin parce qu'au bout d'un moment il va remplir le buffer et on sera tranquille. Et maintenant il faut que lui, je lui apprenne à récupérer que les leaves. Il n'y en a pas ce qu'il faut, donc shape card qu'on va transformer en carte comme ça. Et il nous faut le silk. Ah par contre on n'a pas ok, on n'a pas ça, dimensional shard, c'est pas une quête. Ok, silk quarry. Ok, Silk Quarry qui va récupérer tout en Silk Touch. Hein. Bon, le souci c'est que ça peut faire des grands arbres. Donc on va prendre la surface la plus grande possible. C'est-à-dire à partir de là. Ok, on va prendre à partir de là. Clac.
clac. Boum. C'est vrai cette pluie, hein. Et du coup, chest. On a des under chests. On va poser un là et on va changer les couleurs. Et on va le mettre en black. J'ai pas d'under chests qui sont directement connectés à Riffen Storage, je crois pas. Je vais aller vérifier quand même, mais j'ai un doute. Ah, il y en a un là. Non, c'est un exporteur, c'est pas la même chose. Ok. Là, ça veut dire que je vais mettre un autre under chest ici qui va faire une importation, un importeur. Ou alors, je le stocke dans des drawers. Je pourrais stocker ça dans les drawers. Et si je stocke ça dans les drawers, c'est pas lui que je voulais cliquer. C'est lui. Il faudrait que je remette des drawers ici en fin de compte. Avec un autre drawer contrôleur, etc. Ou alors que je mette ça derrière caché. Avec l'ender chest rouge par exemple qui extrait. Qui mettra ça là-dedans. Et ce qu'on récupérera, ce sera uniquement des leaves et des logs. Peut-être une idée. Bon, j'ai testé toutes les pousses d'arbres du jeu. Il n'y a pas un arbre plus gros que les autres, en tout cas. Pas avec un simple poteau comme tronc. Ouais. Bon, c'est pas grave. Forger le jeu avec le petit bonhomme où tu mines tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Deal with it. Ok, je pense qu'on va faire drawer et on va stocker directement les leaves et les logs directement là. Et on va mettre ça dans l'under chest rouge. Comme ça on évite d'avoir un milliard d'under chest partout. Sinon on va se perdre encore. Ça, ça dégage. Ok. Et red. Il va falloir un levier. Et on va lui dire de faire tout le temps ça. Oh, j'ai oublié un truc. Faut faire une clearing. Du coup, il a changé le module. Hein. Peut-être pas changer le module. Non, il a pas changé. Oh, ok, c'est très bien. Ça, c'est cool qu'il garde ça. On a un X-ray, les gars. Regardez ce X-ray de malade. Vous voyez tous les trous qu'on a là-bas? Vous les voyez là? Tous les trous qui font dégueulasse là-bas. Bah, ça, c'est mon. Comment ça s'appelle? Mon digital miner. Qui a enlevé tous les minerais. Alors du coup on va enlever ça. On va enlever également ça. Ah, il m'a cassé le bloc ici. Ah, il a enlevé. Ok. Pas bien ça monsieur. C'est pas bien du tout. Gardez ça ici. Du coup, oh, tu me diras, garde ça ici. Tiens, mets ça plutôt dans le sol. Comme ça, tu seras plus embêté. Qu'est-ce que c'est ce stack là ? Impeccable. On enlève. Et on va lui redire on. Ah, par contre, il enlève les saplings à chaque fois. Ça fait chier ça. Donc il va nous falloir un filter pour lui dire ne prends pas les saplings. Ok, tac, sapling, il est en... Oula, il m'a mis tous les... Attends. Sapling. Mais non, remove. Enlève-moi tout ça, arrête de faire chier, voilà. En whitelist? Non, blacklist.
Voilà. Allez, tranquille. Du coup, là, si je mets coup de botte bille. Il se fout de moi, hein. Il se fout de moi. Ça, elle est en holo ma carte. Ah merde, elle est en holo, effectivement, bien vu. C'est marrant, du coup Claude elle l'a pris mais pas là. Bon, c'est pas grave. Ok, là c'est bon. Clearing Silk Quarry. Je vois pas de leaves. Peut-être que les leaves, il me les a déjà directement décalés, pardon. On va les regarder. Oups. Fais voir. Est-ce que tu m'as directement mis les leaves dans le drawer qui est ici? Ouais, ça va. Ok. Donc on va mettre ça. On va les cacher parce que je veux pas les voir. Hein. Très bien. Le seul truc c'est que ça poussera uniquement quand ça poussera. Hein. Ce sera pas en mode ça pousse super vite. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça poussera. Et du coup des leaves maintenant on en a bah à l'infini quelque part. Good. Leaves terminé. Donc maintenant si on retourne sur notre craft et qu'on retourne sur le Rune of Autumn, on a tout. On enlève juste les leaves qui nous embête et on va prendre à la place les oak leaves. Impeccable, living rock, hop là, on retourne sur Potania, on met ça là dedans et rune of autumn, boum, start. Fais-moi voir ça. J'approvisionne un sapling avec Riven Storage. Par contre, j'ai pas mis la crafting card. Faut que je lui mette la crafting card pour qu'il crafte les saplings automatiquement. Bon, il met du temps à crafter. Ah, c'est bon. C'est la, probablement la slate qui manquait. Il met un peu de temps à faire. Hop là, et tac. Impeccable, on est bon. Cette rune là, elle a déjà été faite, c'est juste que je l'avais pas renvoyée dans Riven Storage correctement. Donc Rune of Autumn, c'est fait. Il va nous rester la Rune of Spring à faire, et après on aura les 7 péchés à faire. Et les 7 péchés, ça va aller vite. Hein. Très simple à faire, il n'y a pas besoin d'automatiser d'autres systèmes, enfin d'autres ressources, mis à part le Tiny Potato Mask, qui va se faire très facilement également. Ça me fait penser que je devrais... on a beaucoup de colorants là-bas avec les fleurs. Mais Riven Storage est bête. Dans le sens où normalement on utilise un mortard avec un stack de pétales pour avoir un stack de colorants. C'est plutôt pratique. Sauf que là, Riven Storage, si je lui donne toutes les fleurs et que je lui dis transforme les fleurs en pétales et prends les pétales pour faire du colorant, il va me dire ok, j'ai besoin de 50 mortards et pétales pour faire 50 colorants. Donc peut-être qu'on fera la graine de colorant après. Du coup, chose que je pense à faire tout de suite, c'est mettre les crafting cards. Allez. Voilà. Pour te remercier pour ton contenu et parce que plus petit que 3. Merci beaucoup Tiflo pour les 5000 bits. Beaucoup de bits d'un coup. Merci beaucoup Tiflo, c'est super gentil. Le plus petit que 3 forcément. Si tu fais les crafts en process via un crafter externe qui rend le mortar, tu as le même problème. Je pense pas, non.
Si genre je prends les crafters des rêves tools, je suis capable de lui dire prends les fleurs. Une fleur égale un colorant par exemple. C'est une chose qu'on peut faire. Mais dans ce cas là ça veut dire qu'il faut absolument que ce qu'on a installé là avec les fleurs je l'installe ailleurs. Et le problème c'est qu'avec les fleurs on fait des grandes fleurs et des petites fleurs. Donc je pense que je mettrai des drawers pour stocker ça. Mais ouais, si on veut les colorants on n'est pas obligé de faire la graine. On peut justement faire un crafter des rêves tools pour faire ça. Qui du coup fonctionnera exactement de la même manière que les crafts avec les la master infusion cristal de mystical. Spring. Ok, on va prendre du oak sapling. Puisqu'il sait le crafter maintenant. On va enlever ça pour mettre ça. On a la spring et donc dans la spring il va nous falloir le tree size. Et il va falloir lui apprendre stone axe et surtout le charcoal. Regardez-moi ça. Ah, rien de juste, absolument rien de juste. Ok. Et il nous faut du coup je disais charcoal. Et charcoal on va le faire. Oh, on peut le faire directement avec les... Oh, c'est bon ça. Impeccable. Directement en craft ça. Ça c'est bien. Donc la size, elle est ok. Et il nous manque justement le tree fertilizer. Et le tree fertilizer va me demander n'importe quel type de fleur. Poppy par exemple. J'ai pas de poppy, c'est sérieux. Crafte pas le poppy de toute façon. Dans des lions c'est pareil hein. Peut-être utiliser les fleurs de botania du coup vu qu'on en a. C'est peut-être l'occasion de le faire. Par contre le corail là, il faut absolument qu'on ait la graine. On ait le corail essence et du coup corail seed. Et pour le corail seed il nous faudra du coral agglomeration. Et du coup il va nous falloir les blocs. Donc il va falloir qu'on trouve un biome avec ces blocs là. En premier lieu. Donc on va sortir pour chercher ça. Et après les fleurs de botania, je pense qu'on va les déplacer. Je vais poser le craft pour commencer déjà là. Ok, base daytime. Okay. Par contre, je crois pas avoir déjà croisé un biome avec du corail. Hein. Nature compass. Hop. Hop. Oh. Redstone ingot. Pardon. What the fuck. Ok, pas compris. Donc là. Coral, non, ça va être Worm. Lukewarm. Ocean. Ça te cherche. Ok. C'est par là-bas. J'espère qu'on aura du corail là-bas. Ça marche, bienvenue à toi, Metaslash. Tout le monde est plus petit que la ville de Troyes, c'est vrai. Oui. La ville de Troyes est grande. Et on va utiliser. Ouais, c'est le touch pour les avoir. On est bien. Bon, il nous reste une demi-heure. Ça devrait être bon pour terminer toutes les runes. J'espère. Ce serait bien. Que l'océan qu'on cherche est par là-bas. Est-ce qu'on a du corail qui va popper? Nope. Ça a un nom spécifique, le biome avec le corail. Je me souviens plus.
C'est pas dans les worms. Justement, c'est ce que je voulais chercher, mais je croyais que c'était lukewarm. On va chercher worm. Oh la vache. 2500 blocs. On va chercher dans les worms. Non, pas deep parce que... le corail, tu le trouves assez facilement vers la surface. Ah, il va jouer au mode du coup, Clo-Clo. Nice. C'est un petit peu loin. Oh, je vais tellement bien dormir après le stream. Fou. Riff, tiens, fais voir. Non. On va trouver, hein. Y a rien par ici en tout cas. Mais il me semble aussi que c'est War Motion. Hein. Et il me semble pas non plus qu'il a un nom très spécifique. On a un temple guardian là. Ok. Encore 500 blocs et on y arrive. Du coup, j'en profite pour poser une question à tout hasard. À midi, le serveur Stasia Dika a reboot comme d'habitude. Mais depuis, dès qu'il finit de préparer le spawn area, il reste coincé en hold. Et à chaque refresh de la liste des serveurs, pas un client, ça met dans le log. Il n'a pas fini de démarrer. T'aurais pas une idée. J'ai eu des problèmes avec Stasia Expert au tout début. C'est-à-dire qu'on a un reboot auto qui se fait, et le reboot auto, il le faisait pas. Il redémarrait, mais jamais il se mettait en ligne, en fin de compte. Il restait hors ligne. Enfin, il était en mode démarrage, mais jamais il était en mode... Enfin, jamais il se démarrait, en fait. C'est un peu de la merde. Et là, suite à une mise à jour que j'ai fait, du pack, donc la mise à jour que j'ai, c'est sûrement... Enfin, c'est la .5 que j'ai. Avec la .5, ça redémarre automatiquement. Enfin, ça redémarre normalement. J'ai pas trop de problèmes. Mais ouais, au début, j'avais des problèmes de redémarrage. Hein. Bon, j'abuse un peu. Hein. On est là, on en profite. 6 mois avec plaisir. Je retourne redip FTB car je me suis lancé depuis 2 semaines sur Anamo V. Vraiment plaisante à jouer. Merci beaucoup, ML. Merci à toi, grand père feuillage, pour le 6e mois d'abonnement. Et merci de jouer à Ragnamod 5. C'est survenu après un auto-reboot random alors qu'il en avait déjà fait plein. Ouais, bah. Pour le coup, on va dire que c'est de la merde. Mais non, j'ai pas de réponse malheureusement à te fournir. Mais comme je te disais, moi pareil, hein, j'ai rien fait en fin de compte sur les reboots auto et d'un seul coup ça a refonctionné. Pourquoi? Je sais pas, mais ça a refonctionné. Ok, on va faire cette graine là. Boum. Base, et du coup on refait la même chose avec un crate. Hopping. Insanium. Une houe. Bonne nuit à toi, roi d'origine. Et bonne nuit, champi. Champi 8, bonne nuit à toi.
Allez, drawer. Clac. Qui ? Et on va là-dedans. Non. C'est du milieu qu'il me faut. Lui. Très bien. C'est F, pardon. Et du coup, on prend ça. On met là. Impeccable. C'est pas de l'eau, logiquement. Pourquoi ce serait de l'eau ? Coralcite, c'est une graine de mystical agriculture, donc c'est forcément sur de la terre. En tout cas, tous les blocs, enfin, toutes les sites de mystical agriculture, c'est sur la terre. Donc, tree fertilizer, il faudra juste qu'on lui apprenne. Coral, on va faire le brain. Ah, on va peut-être faire. Tiens, le fire, il est bien avec le rouge. Le rouge du coup on va lui apprendre. Ok, ça c'est bon. On va avoir besoin de faire ça. Et on va chercher celui-ci. Ok, et on va enlever le dandelion et on va lui donner. Tiens, la fleur noire là. On va lui donner ça. Paf. C'est stocké. Donc pour avoir du red. Tu me diras, on peut passer par le beetroot pour avoir du red aussi. Ça peut être rapide. Beetroot. Hop. Et du coup, clac. Voilà. Donc le rouge on est ok, il faut juste maintenant qu'on récupère les fleurs noires. Et pour le coup, vu que j'ai pas envie d'installer ces fleurs là pour le moment, on va juste lui en donner plein dans le stockage. Et il se débrouillera bien. Donc là en théorie, au niveau du Rune of Spring, on a tout fait. Et on est capable de le faire. Donc on va aller vérifier ça. Magic. Ah, le magnet. Spring. Start. Regardons ce qui se passe. Hop. Il va me le faire. Je peux juste faire un petit coucou. Je suis à la rediff jour 24. Ça marche, monsieur Zell. Hier, tu as réussi à activer mon Amazon Echo en disant avec ça. Lorsque je regardais une rediff. Oh, bah bravo. C'est pas mal. Ok, le craft se fait. Ah, le craft s'est pas lancé. Pourquoi le craft ne s'est pas lancé? Ah, parce qu'il a pas pris. Il a pas tout pris. Il doit manquer un truc. Ouais, il manque ça. Je crois qu'il l'a pas pris en compte dans le craft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il l'a pas pris en compte dans le craft. Ok. J'ai pas fait attention. Ce qu'il a. Non, remets tout comme ça, enlève ça. Donc ce qu'il a pas pris en compte, c'est évidemment ça, le glyphe. Donc on va mettre le glyphe là, on va enlever ça et lui on va lui dire 3. Et là on est bon. Et là ça devrait être good. Ring. Start. Il envoie le bousin. Normalement. Il en met du temps à l'envoyer en vrai. Ah, voilà sa prise. Pourtant, il a rien à crafter, il avait déjà tout. Je galère à rattraper les rediffs, je suis à l'épisode 13. Oh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de live d'Ostasia.
Crafter is left. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut le relancer à chaque fois qu'on... qu'on annule un craft. J'ai oublié ça. Du coup, il fait le craft. Voilà, impeccable. Et on va le mettre en filtre ici. Impeccable. Et donc là, ce qui va nous rester comme rune automatisée, ça va être les pêchers. Donc les 7. Et pour ça, en fin de compte, c'est toujours les mêmes crafts. Sauf que ça va demander à chaque fois un tiny potato et des runes différentes, en fin de compte. Donc, premièrement, tiny potato, let's go. Le rouge, il sait le faire, vu qu'on va faire du beetroot avec du nature essence. Et mana infuse string, il est capable également de le faire très facilement. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est lui faire ça, 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 tac. On enlève, ça, ça, boum boum. Paf, paf. Oups. C'est non. Ok. Living Rock, c'est bon, on est bon. On enlève, clac. Paf. Et avec ça, on a automatisé toutes les runes de Botania. Ça c'est beau. C'est le truc pour que ces runes... On va pas le faire maintenant parce que ça va nous prendre du temps. Mais faudrait que je les fasse. Enfin, faudrait que je les craft. Pour récupérer la rune en question et la mettre en filtre. Dans nos filtres ici. Et comme dit, on peut pas récupérer un item et le mettre là. Hein. Donc bon. Et je les fais pas tout de suite également. Puisque. En fait, chaque rune des 7 péchés me demande un Ether Slate. Et c'est le dernier slate. Et ça coûte cher. Et je dois pas en avoir des tonnes, j'en ai que 3, donc le temps qu'on fasse les autres. Tu me diras, on peut lui demander 5 slates. Bon, j'aurais peut-être dû lui en demander que 4, mais c'est pas grave, on va lui en demander 5. Il va les flairer et quand on va revenir et qu'on verra qu'on a les slates, peut-être qu'on fera les runes pour pouvoir directement mettre les fils derrière. Et on sera bien. Du coup, le treated wood. On va pouvoir l'automatiser avec le fluid encapsulator. Ou pas. Le fluide encapsulateur. Il y avait quoi qu'on voulait autocrafter? La flotte. Le créosote. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Après, c'est que les buckets qu'on range là-dedans. Ouais. Parce que liquide starlight, on a ce qu'il faut. Sinon ça se fait dans ce truc comme ça, mais je pense pas qu'on le fasse directement ici. On va directement faire ça dans un fluide encapsulateur. Et pour le coup je pense que on va faire un dernier fluide encapsulateur. On va pas en faire plusieurs, on va en faire un autre. Juste un autre pour pouvoir lui dire ok, tu enverras du creosote oil plus une planche pour avoir ça. Et on pourra lui apprendre également le concrete de toutes les couleurs si besoin. Et notamment le concrete blanc qu'on va avoir besoin pour le Living Rock. Il pourra le faire ici. Bonsoir Mika Save. Donc fluid encapsulator. Il nous en faut un autre. Donc il va nous falloir du chargé de Nice Scale Lapis. Je lui ai pas appris à faire ça. On va le mettre là, tiens. Que je l'apprenne. Ah oui, mais on n'a pas mis le Fisher pour récupérer les poissons. Ce que peut faire Fish, j'ai pas. Ah, c'est n'importe quel type de poisson. Ok, on va mettre du code. Ou alors, on peut avoir les essences. On peut avoir la graine de Fish. On va faire la graine de fiche. Est-ce qu'on pourra avoir du pufferfish après?
Et le Nautilus Shell pour avoir le Heart of the Sea. Bon, ça sert à rien apparemment le Heart of the Sea, mais... Lightning, ouais, sinon ça sert à rien. Mais on peut le faire. Conduit, c'est pareil, ça sert à rien. On va faire cette graine-là. Donc, on retourne sur... Fish Seed. Sur les Souljar. Et donc, du coup, sur ça. Perfect. 3-4. Dagger. Daytime. On va pouvoir faire ça directement dans les rivières. Si on trouve du saumon. Ils sont timides. Le poulpe, faut pas le faire. Hein. Parce que le poulpe, il y a une graine aussi, je crois, de squid. La squid seed. Qui nous donne du ink sac. Ok, là, je vais avoir du saumon quand même. N'importe quel type de poisson, ça me va. Hein. Ah, voilà. Ça marche. Reviens. Ah. Mmh. Tout est full. Impeccable. Boom. Coucou Léovan. Sympa la base militaire. Du coup, t'es tout seul à regarder ou t'es avec avec les copains? Prédacium. S'il dit, faut que je fasse l'autre. Hein. Celle-ci. Nice. T'es devant tout un régiment sur un écran de 4 mètres de diagonale. Nice. Vous mentez, monsieur HL. Vous n'êtes pas présent. Il y a des sottises. Je ne vous crois pas. Alors, un crate. Insanium, on recommence. Et là où? Oui, là où? Là où? Là où? Là où? Et hop. N'empêche, c'est un peu chelou comme nouveau nom pour le fluide transposeur. Ouais, ça va, ouais. Ça va. Base. Clac. Je l'ai sur moi. Impeccable. Et on a encore un petit peu de place ici. Tac. Boum, boum. Et évidemment, nous allons prendre la timing bottle pour... Hop là, accélérer ça comme des sacs. Heureux, monsieur Greg. Il va falloir drawer également. Avec la clé. Boum. Ah là, je suis seul. Je repars demain dans mon régiment. J'étais en formation de 3 mois où je termine 9e sur 36. Ouh, GG. C'est propre ça. C'est un très beau score, mine de rien. Tellement de botany pot. Et encore, au niveau des botany pot, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir les murs, en fait. Je vais mettre un câble qui fera probablement un serpentin. Là, je ne sais pas encore comment je ferai. Mais au final, les botany pot, je vais vraiment les aligner. Je ferai des colonnes avec la même graine. Pour avoir beaucoup plus de graines qui produisent beaucoup plus d'essence.
Et d'ailleurs, il faut que je vérifie si ici on a de la place pour stocker les graines. Silver Steel, on n'en veut pas. J'ai pas dû choper celle que je voulais. Je vais tirer celle que j'ai en double. Enfin, celle que j'ai en trop de fois, quoi. Sorte de faire de la place. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, avec le fichier essence. Petit cadeau car ça fait longtemps que j'avais pas regardé tes lives depuis Po 3 Kappa avec. L'army c'est difficile. Pardon? Il y a un problème avec. Je crois qu'il y a eu un problème avec le bot. Merci Levan pour les 100 bits. Petit cadeau, car ça fait longtemps que je n'avais pas regardé tes lives depuis plus ou trois capins avec... L'armée, c'est difficile. Le bot qui a complètement pété un starb. N'importe quoi. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait le pufferfish. Est-ce que j'en ai besoin du pufferfish ou pas? J'en avais besoin pour ça, je crois, mais c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout, j'ai pas besoin du pufferfish. On va stocker ça. Encore une fois, merci pour les 100 bits, c'est vachement gentil. Donc, Night Sky. On veut un code. Et on veut pas d'eau. On va le mettre là. Boum. Donc on veut, je te donne ça, Night Sky. Oh, ça me fait penser. Ouais, j'avais fait plein d'Energizing Rod. Je les avais craftés au tout début du stream d'hier et j'ai oublié. Donc je vais en remettre deux de chaque partout. Paf. 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 Incroyable. Ouais non, le bot il a fait n'importe quoi, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Et merci Levan encore une fois pour les 25 bits. Allez c'est le dernier, bonne nuit tout le monde, bonne nuit ML, zoubi zoubi, ça marche. Merci à toi Levan. Du coup bon retour sur dans ton régiment. Encore une fois GG pour ton score, très propre. Je crois qu'il va m'en manquer deux. Il va me manquer deux rods. C'est quand même incroyable ça. Oh, j'ai encore une rod là. J'ai pas pris toutes les rods. Ah, j'avais pas pris toutes les rods. Ok, bah les deux dernières rods sont là. Il me disait bien que j'avais fait toutes les rods nécessaires. Ok. Donc maintenant, on va retourner là-bas, ici, et on va demander la pisse. Et on va en demander. Il en veut combien? 6. Go. Et on lock le craft. Parfait. Ça va un petit peu plus vite. Voilà. On récupère ça. On enlève ça. On va stocker ça. Ok, on a les 6. Il va nous falloir un conjure water. Évidemment, ça, c'en est un que j'ai pas crafté. Donc il va falloir que je lui demande. Ça marche pas du tout. Ah si, c'est bon. Water. On enlève ça. Bam. Tania, et on va le mettre... avec lui. Je croyais qu'il savait le faire ça. Je suis un petit peu déçu quand même. Voilà. J'ai dû lui apprendre les sauts de lave mais c'est tout.
Voilà, il est capable. Il l'a envoyé. Ouais, il a récupéré du mana là. Et quand il va le faire popper, il va être aspiré par rien du tout parce qu'il est pas dans les filtres. Hein. Donc voilà. Et là maintenant, on va le mettre dans ce filtre là. C'est le dernier filtre possible. Merci monsieur Sama pour le raid avec vos 249 viewers. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien tous. Nous sommes toujours en train de faire des autocrafts sur du modé en 1.16. Mais là, on a déjà fait énormément d'autocrafts. Oula, j'arrive pas à écrire, c'est fatigué. Mais vous voyez, ça demande beaucoup de choses pour faire une machine frame. Est-ce que tu avais un bloc que tu peux ramener IRL, ce serait lequel? Un bloc d'or. Parce que le jour où j'ai un bloc d'or qui fait 1 mètre sur 1 mètre, je stream plus, je suis riche. Tu vois, Basilic ? Ah, on n'est pas fous, nous. Hein. On n'est pas fous. Hein, on a de la bouteille, on sait ce que c'est la vie. Hein. hop, on reprend ça. Lapis Gear. Oh, je ne l'ai pas appris ça. Bon, on va lui apprendre. Merci beaucoup, Florian Sembache, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci à toi. Un command block. Oui, il y a aussi le command block. Mais le problème, c'est que le command block, tu peux t'en servir uniquement si tu es opérateur. Autrement dit, si tu es Dieu. Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas mettre tes commandes dans le command block. Tu auras juste un bloc qui fait de la lumière. Ce serait dommage. Quand même. Un bloc de diam, ça vaut plus. Oui, ça vaut plus. Mais faut pas non plus trop en demander. Redstone Flux. J'en ai plein. Je prends. Le Mechanical Drying Bassin. Je lui ai pas appris ça. Oh la vache. Regardez-moi ça. Oh. Ça fait mal, ça. Pourquoi pas la Time Bottle? Ah bah non. Si tu prends la Time Bottle dans la vraie vie, ça veut dire que tu peux accélérer les choses. Mais au final, tu veux accélérer quoi? En survie, même en OP, tu peux pas accéder à comment? Ah, je savais pas ça. L'Elden Ring, c'est pas mal. Ah, je sais ce que je veux. J'aimerais avoir l'armure de Draconic. Pardon. Il y a beaucoup de choses automatisées, on le fera demain. On le fera demain. Parce qu'en fait, le fluide encapsulateur, j'aimerais qu'on automatise le Mechanical Drying Bassin. Donc ce sera le dernier Dissolution Chamber qu'on n'a pas encore automatisé. Et pour automatiser ça, il faut qu'on automatise la récolte de Mineral Resin qu'il faudra qu'on fasse avec le Mechanical Squeezer. Donc ça, c'est un item qu'on n'a pas crafté. Donc il faudra qu'on le fasse. Et qu'on farme le Mineral Log. Et le Mineral Log, pour l'instant, j'en ai beaucoup, mais on me remettra un Botany Pot. On mettra un Botany Pot qui nous refarme ça tranquillement. Comme ça, on pourra farmer facilement le nécessaire. Il faudra également qu'on... Bon, ça, c'est facile à automatiser. Hein. Ça, c'est pareil, c'est facile à automatiser. Ça, je crois que c'est déjà fait, je sais même plus. Mais du coup, il faudra qu'on réautomatise un Energizing Orb. Mais je pense que je vais le mettre directement là où il y a le Snowball. Ce sera plus simple. Et du coup, le Basic Coil, vu que ce sera dans le Blood Magic, il faudra qu'on s'y mette et qu'on fasse les automatisations de ces 4 trucs-là. Et vu qu'on fera le Photovoltaic Cell 3, on pourra en profiter pour faire le 4 ici. Quoique directement... Non, le 4, je crois qu'on l'a déjà fait. Le prochain, c'est le 5. Je crois qu'il est également déjà fait. Je regarde vite fait. Ah non. Ok, on a le 6. Mais pas le 5.
Comment ça se fait ça? Ah oui, comme ça. Ok. Bon, bref. Razorback, je sais pas encore. Parce qu'en fait, le problème que t'es en train de me dire, c'est que pour récupérer... Attendez, je vais cliquer là. Pour récupérer ça, certes, je pourrais utiliser la même technique qu'on a utilisée pour avoir le latex. Sauf que... En fait... le Mandrill Resin, on peut l'avoir, comme je disais, dans le Mechanical Squeezer, qui va me donner du Crystal Mandrill Chunk. Et j'aimerais les récupérer aussi, les Crystal Mandrill Chunk. Alors après, faudra qu'on réfléchisse. Peut-être qu'on utilisera la même méthode qu'on utilise pour le latex, parce que une fois que tu as un mini bucket de Mandrill Resin, tu peux le transformer directement en bloc. Donc il faudra qu'on ait un dry bassin ou un Mechanical pour avoir le bloc, et le bloc après tu peux le recasser pour avoir les 9. Donc peut-être qu'on peut faire ça aussi. Un bloc d'or, ça vaudrait 921 550 000 dollars. Voilà, donc autant vous dire que bon, on va pas non plus demander un bloc de diamant. Un bloc d'or, c'est déjà pas mal. Le jour où j'ai cet argent là sur mon compte, je vous paye à tous qui regardez le chat là, les 501, je vous paye à tous la voiture que vous voulez. Si j'ai un jour 921 millions de dollars sur mon compte. Vous pouvez noter, ça n'arrivera jamais. On sera tous morts avant. Moi le premier. Tu sais, Requin Game, d'ici à ce que j'ai cet argent-là, il y aura mieux qu'une Audi RS6. Il y a des chances. Attention, il y a des voitures à plus d'un million. Bah, s'il y a des voitures à plus d'un million et que les 500 personnes demandent une voiture à plus d'un million, imaginons ça coûte 2 millions, bah là je suis fauché. Bon, faut peut-être pas exagérer. Exactement, Xeon X5. Non mais je pense que je ferais... Je sais même pas ce que je ferais. Là, pour être honnête, bah, je gagne quand même bien ma vie avec Twitch, hein, on va pas se mentir. J'ai des sous. Je vais pas dire que je sais pas quoi en faire, puisque les sous que j'ai en ce moment, je les mets de côté pour pouvoir acheter une maison, donc je sais quoi en faire. Mais en vrai, avec autant d'argent, je saurais pas quoi en faire. Vraiment. J'aurais peut-être des idées, hein. Acheter des jeux, faire plein d'autres trucs. Enfin, il peut y avoir des trucs fun, mais... Vital, pff, non, j'ai pas d'idée. Enfin bon. Du coup, je disais, je vais vous renvoyer chez quelqu'un. Il est possible que notre cher Miscellany n'ait pas fini. Ah, il a pas fini. Je vais vous envoyer chez lui, du coup. Miscellany qui est toujours en train de faire son sub-bâton. Donc, je vous renvoie chez lui. Voilà. Et vous allez lui envoyer, comme la dernière fois, le Doom Banger. Donc, pour l'écrire, le Doom Banger, en fin de compte... Vous l'écrivez comme ça, mais il faut enlever l'espace entre le Doom et le Banger. Vous collez ces deux mots-là, et ça vous fait, en fin de compte, l'émote qui bouge comme ça. Donc vous allez lui envoyer ça, vous spammez son chat comme jamais. Et puis moi, je vous retrouve demain 14h pour la suite de Resident Evil Village, et demain 21h pour la suite de Stacia Expert, où on terminera d'automatiser. Enfin, on continuera, on terminera, on termine jamais d'automatiser, mais on continuera d'automatiser. Du coup, une bonne nuit, une bonne soirée, et bientôt. Bye bye.